Et bonjour, bonsoir. Re-bonjour, bonsoir. Comment ça va? Alors, contexte. Contexte. Écoutez, tant pis, je fumerai après. Contexte, c'est que ce soir, il y a un event sur le serveur GTRP, à savoir le défilé de mode organisé par Weasel News. Ceux qui étaient là les autres jours l'ont vu. Hier, en fait, parce que ça a été annoncé hier. Du coup, en fait, on va juste y aller. Parce que ça commençait à 22h. C'est ça le petit truc que j'ai oublié de préciser. Là, il est 22h51. Donc, on va voir hein, si. si c'est pas trop tard. Et voilà, à peu près. Donc, on va voir, tout simplement. Je lance le jeu, tout ça, tout ça. Pas de transition, pas d'intro où on papote, parce qu'on est déjà à la bourre. Donc voilà. Hein. Let's gong. Ok. Oula, ça met du temps à se connecter, c'est pas bon signe. Ok, non, ça va. Oh, il y a 17 personnes. Pas très successful leur event. Hein. Et sûrement avant. Plus avant, pardon. J'essaie de lancer le jeu. Ok, ça a l'air good. Et c'est vrai qu'il y a TS aussi. Alors attendez, c'est un enfer, juste un putain d'enfer. Tiens, on va fermer Spotify. Hop. Voilà. Trop de choses. Beaucoup trop de choses. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Moi ça va, comme d'hab. Un peu speed parce que ouais, j'ai envie de voir le truc quand même. Mais ça, déjà, ça me fait chier d'avoir un peu raté le début. Ok, ça m'a l'air. Ok, tiens. Très bien, le jeu se lance. On va lancer TS également, évidemment. Et on est bon. Ok. Ouf. Fatigué, moi. Fatigué, il fait chaud. En enfer. Bon, je vous ai coupé le son du jeu. Comme Zab. Oh, ça charge vite. Bon signe. Très bien. Je sais même plus où je suis. Je suis au garage? J'ai l'impression que je suis pas au garage, je sais pas pourquoi. Ah oui, si, ouais, si, c'est bon. Alors c'est au casino le défilé de mods. Voilà. Il va falloir que je me rende au casino ASAP. Je vais quand même y aller en Warrenner parce que bon bah le style c'est quand même important. Ok. Attends, est-ce que les numéros sur TS c'est le matricule du joueur in-game? Parce que là par exemple Boris il est numéro 34. Est-ce qu'on a été 34? Si c'est le cas, c'est trop bien. Attendez, est-ce que, parce qu'il y a un truc. C'est pas clair pour l'instant. Bon, le jeu se lance tranquillou. Ah, petit bip bip là un peu là. Let's go, ça fait plaisir ça.
Là, je suis matricule 35. Ouais, non, ça doit être sur un certain créneau ou quoi. Bah écoutez, je vous mets le jeu. Je vais pas vous mettre le son tout de suite, hein. Croyez-moi, je vous rends un fier service. bon, et on va cacher la cam direct, je pense, hein. Désolé, les amis, mais vous inquiétez pas, je reste là. Écoutez le son de ma voix, suivez le son de ma voix. Tout va bien se passer. Petit chargement, tranquillou. J'ai pas du tout fait gaffe à si les heures étaient timées sur la vraie vie. Est-ce qu'il fait nuit? Ah oui, non, non. Non, c'est bon, il y a des cycles jour-nuit beaucoup plus courts. Ah, les bip-bip se sont arrêtés. Ok, on est good. Le son du jeu. Et la gong. Oula. C'est-à-dire. Evomadov. Ah si, avoir fait le message, d'accord. Et Cooper, appelez-moi dès que vous êtes disponible, je répondrai à vos questions. Il y a 2 heures, ouais. Hein? Oula. Entretien avec le. Pas. Ah non. Pour être caché plus ou moins, ok. Complètement bourré. C'est tout? D'accord, ça va. Pourquoi il y a eu une ACR? Putain. Très bien. Je sais pas où c'est l'occasion. Bonjour, Madame Lily. Le défilé est terminé. Il semble que c'est vers l'est, après je sais plus. Ah bah c'est là. Let's go. Bon, j'adopte la conduite rapide. C'était pas par là. Oh, en plus, il pleut. Oh, je vais tellement coma. Si je le colle avant, c'est bon, c'est moins humiliant. C'est trop chiant ces virages. Je vais juste faire tout droit et je tournerai après. Hein. Plus là-bas c'est arrondi donc c'est mieux. Oh la dingue. Tout va bien. Mais ça va en fait. Mais c'est juste à côté. Je suis allé en 30 secondes, même pas. Bon, peut-être un peu plus, mais. Allô? Ok, je testais le. Tokovoip. Qu'est-ce que. Bonjour. Bonjour. Oui. Excusez-moi, c'est fini le défilé? Je crois, ouais. Ouais. Aïe 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 aïe. Il est terminé le défilé. Ah, c'est dommage. Ah, pas de chance alors. Aïe aïe aïe. Bon, sinon ça va vous? Ouais, ça va nickel. Quoi. Ouais ouais ouais, bon bah pas de chance. Hein. Ah. Ah pardon. Il faut que j'y aille. Des gros bisous en tout cas. Hein. Bon travail. Merci. Vous recrutez encore ou elle est somme ou pas? Je sais pas du tout justement, faudrait que je joue avec Edouard, mais je vais aller le voir là justement. Ça marche. C'est pour qui? C'est pour un nouvel arrivant en vie, monsieur Stuart Jones. Ah, d'accord, parce que moi j'ai déjà une autre demande aussi pour quelqu'un d'autre, donc je sais pas si on peut recruter deux personnes. Je verrai ça avec Edouard. Je t'envoie un message après? Faut que je file là. Bisous. Allez, ciao.
qu'est-ce qui lui est arrivé encore? Très bien. J'essaie de piloter le plus rapidement possible sans. Voilà, j'allais dire sans percuter le moindre truc. Évidemment, au moment où je le dis, ma vie c'est de la merde. Alors, maintenant, l'épreuve. Trouver Edouard. J'ai dû retrouver le parking, mais je l'ai trouvé assez vite. Je suis plutôt fier de moi. Ouais, direct les embrouilles, quoi. Vite à vie avec Edouard, quoi. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bah, Peter Fork, avocat, garagiste. Il est où, Edouard? Ça va? Il est en plein soin. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait taser alors qu'il était trempé. Alors, pourquoi il s'est fait taser? Il a dû faire une connerie. D'accord. Non, mais c'est un agent de sécurité qui l'a tasé sans... Ah, d'accord. Sans le mettre dehors au lieu de le taser. Ok. Vous devriez porter plainte, hein, Bah, je verrai si lui il veut porter plainte. Ça va, Jackie? Bien, et toi? J'aime beaucoup ta tenue. Que vous avez une écharpe? Non, c'est pour le style. C'est pour rappeler le garage. Ah, super, le style, ouais. J'adore. Du coup, mais l'été, vous devez avoir trop chaud, hein? Non, ça va. Ça va? Du coup, Lily, tu veux que je te dépose? Non, du coup, monsieur Romanov, il vient... vient à l'hôpital? Ici. Ouais. Ok. Salut Boris. Salut Balthazar. Alors non. Je me suis changé, c'est Peter. Peter Fork, officier 17. Enfin, stagiaire 17. Oui. Attends, deux secondes. D'accord. Vous avez toujours pas de nouvelles de monsieur Tansen? Il m'a dit attends deux secondes. Quoi? Il m'a dit attends deux secondes, monsieur Pal. Donc on attend deux secondes. Ça fait un peu plus que deux secondes, mais voilà. Non, mais ça suffit, asseyez-vous sur le... S'il vous plaît. J'ai vu qu'on pouvait demander un rendez-vous maintenant. Je peux demander un rendez-vous? Non, alors pas tout de suite. D'accord. Faut que je prenne rendez-vous, moi aussi. Eh ben, on demande un rendez-vous. Vas-y. Ah oui, d'accord, c'est nouveau, ça. Eh oui. Oh. Je peux te le dire à la radio? Attends. 10-4. 260. Ça y est, le téléphone fonctionne. Putain, chewing-gum en dessous la chaussure. Encore. J'entends. Non, attention, il y a des fantômes par ici. Il y a un téléphone qui fait des... Il y a quoi? Il y a un fantôme. Qui êtes-vous? C'est le fantôme de qui? Non, mais c'est la fête du slip, cet hôpital ou quoi? Bonjour, monsieur le fantôme. Parce qu'à la base, on vient prendre des nouvelles d'Edouard. Comment il va, Eddie? Et moi, je viens juste de prendre mon service, en fait. Mais où est-il, monsieur Pâle? Mais il est là, monsieur Pâle. Qui est là? Mais il y a plus personne. Oh, si, ça y est, je vous vois. Je vois tout le monde, moi. J'ai quelqu'un qui m'appelle au casino, il aimerait me voir. Madame. Appelez un médecin. Je demande un rendez-vous, monsieur Pâle. Oui, il y a un
un problème avec le médecin. Mais ça suffit, mais... Ah, demandez un rendez-vous, je me... Ah. Stop, on va se calmer. Écoutez-moi, écoutez-moi. D'accord, oui, bien sûr. Tous vous asseoir ici, sur les bancs. Mais attendez, on... D'accord, monsieur. Non. Ah, des nouvelles vues à notre ami. Tenez, venez à côté. Vous asseyez sur les bancs, c'est pour ça qu'ils sont là. Vous voyez pas, vous gênez tous les autres patients, là, qu'ils attendent. Ils sont plutôt confortables, en plus, hein. Molly, Moi personnellement j'ai des fesses très fragiles et là c'est vrai que celui-là il me fait du bien. Arrêtez. Non. Vous voyez pas que vous dérangez la madame qui vous regarde là-bas? La madame Mr. White, vous êtes en train de filmer à l'intérieur. Vous voyez pas que tous les sièges ils sont remplis là? Non, personnellement je ne vois qu'une personne sur deux. C'est vrai, je vois Mr. Fogg qui est en train de clignoter en fonction de la façon dont je bouge les têtes. Ah non mais c'est normal, c'est le style. Regarde, tu me vois plus. Tu me vois plus. Je crois qu'il a besoin de consulter. Non, je vais juste sortir, je crois. Ah mais y a pas de psychologue en vigile, malheureusement. Je suis psychologue. D'ailleurs, Boris, t'as eu la nouvelle à propos d'Edouard? Mais je viens de prendre mon service, j'en ai strictement... C'est toi qui vas faire le rendez-vous avec lui. Quoi? Pardon? Ouais, c'est toi qui vas faire le rendez-vous psychologique avec lui. Mais non, il faut demander au gouvernement. Et ben justement, Léon m'a dit qu'il avait demandé au gouvernement et que ce serait quand même toi. Par contre, peut-être que tu mettrais un masque pour... C'est pour Edouard. Pour qu'il aille mieux. On ne sait pas. Mais c'est avec Edouard. Mais j'y peux rien. Bah, voilà. Monsieur. Ah, j'en pense également, ouais. Ça va, Pierrot? Putain, ouais, maman, non. Très jolis cheveux. C'est bonjour. Vraiment... Ah, c'est Bernard de l'accueil. Mais qu'est-ce qui se passe, du coup? C'est toujours Monsieur Edouard? Oui, on attend toujours Monsieur Edouard. Oui, alors... Voilà, tu vois ce beau c'est monde. Un peu long. Mais Monsieur Fork, ça peut pas se faire comme ça. Deux. Mais écoute, et le rendez-vous psychologique, faut la faire entre Boris Pal et... Bah je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord, mais en fait on a fait une demande au gouvernement et le gouvernement a dit que ce serait quand même avec Monsieur Pal. Donc écoutez, nos mains sont liées, on n'a pas le choix. Après je connais Edouard et je pense qu'il le fera jamais en fait ce rendez-vous, tout simplement. Il préférera payer les amendes qu'aller faire ce rendez-vous. Sky, je te présente Bernard de l'accueil. Bonjour Sky. Et c'est à Bernard qu'il faudra demander les rendez-vous? Exactement. Enchanté Bernard, moi c'est Peter Fork, meilleur avocat ragiste de la ville. Je viens souvent ici, mais voilà, je travaille pas ici. Hein. Si t'as rien à faire, dégage, on a des codes bruits qui ont besoin de rendez-vous. D'accord, très bien, bisous. Lui aussi fait souvent des bisous. J'ai vu votre message. C'est important pour le moral. Je vous en prie, prenez votre temps, c'est intéressé. Docteur Madame Zoé? Oui. Vous avez des nouvelles d'Edouard? Bonsoir. Bonjour. Ça va aller. On s'est occupé. D'accord. Il va passer la nuit chez nous. Ah bon? Mais ça va aller. Oui. Ah oui, carrément. Ah oui. Mais ça va bien se passer pour lui. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup, bisous. S'il veut parler, pourquoi on vient pas parler avec lui? Non, je dois vous laisser. On se recontacte, Madame Cooper? Ah oui, bien évidemment, monsieur. Dans la soirée, si possible. Dans la soirée, ok, comme dans ça, la soirée. De tout, vous passez plein d'argent chez vous et puis vous venez casino comme ça on fait toucher le casino. Donc 15 000. Da. Ok. Qu'on a récolté? Non. 12 000. Ouais. Ok, d'accord, on est en déficit. Attendez, yes, mais on s'est amusé, c'est l'essentiel. Oui, ouais, et on s'est fait de la pub. On a promu notre nouveau magazine. Yes. Et encore, j'ai négocié le tarif de la location du. Il est déjà parti, Mr. Romano? Réussi à avoir une ristourne de 5 000 $. Perfect. Du coup, que dit Mr. Tucker? Qui, Mr. Tucker? Jarod. Ah! Et non, mais il m'a dit. Alors, je sais pas ce que je fous là. Et après il me dit, oui, je me disais que vous alliez le chercher, c'était trop long, enfin que des trucs à la con. Et après là il me dit bonne soirée, encore merci pour l'événement. Ok. Bizarre. Et dis-moi Jackie, tu fais quoi ici toi? J'étais à la soirée, j'ai vu Monsieur Thompson, alors bon, je me suis quand même un peu inquiété pour lui, je voulais voir s'il va s'en sortir, mais apparemment il va s'en sortir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour autre chose que voir comment va Monsieur Edouard?
Je crois pas, non. Vous êtes là pour quoi, monsieur le commandant? Je m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Ah, bah il n'y a pas de problème. Avec Magic System, le son qu'on aime. What's Magic System? C'est un groupe de musique, vous devriez écouter. C'est super bien. Ok. Ils parlent un peu anglais en plus dans leurs chansons, donc en tant qu'Irlandais, vous comprendriez bien. Vous ouais. Aussi, du coup, vous comprenez vu que vous parlez anglais. Ben, je suis Michiganais, donc évidemment. Ah, bah tiens, yes. Du coup, vous avez entendu les nouvelles pour monsieur Edouard? Non. Il va bien, ça va aller, par contre, il va passer la nuit ici. Il a peut-être déjà terminé son service. Ah, ok, très bien. Voilà, donc vous cherchez un pilote? Non, merci, j'ai la voiture. C'est pour ça que j'ai dit. D'accord, et vous pensez quoi de ma tenue sinon? Bah, j'aimerais bien vous voir. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah, me voir dans quel contexte Attendez. Vous voulez un rendez-vous? Ah, un petit peu... Comme ça? Yes. Oh, yeah, yeah. Oh. Attendez. Ah, comme ça. Attendez, hop. J'essaie de trouver le bon angle. Attention. Attendez. Oh, ça y est, je vous vois. Oh, très joli. Le pantalon, c'est... Vous allez au procès avec? Je te jure, il y a des gros... Bah oui, c'est ma tenue d'avocat légiste. Ok, ok, c'est original. Peut-être que c'est des chats noirs. Bah c'est le but. Ah, c'est peut-être des chats noirs. Ouais. J'aurais eu ma chance au défilé avec ça, je pense. Ah, votre tenue. Ah, ça c'est sûr. On peut plus rien dire. Non, mais c'est pour Edouard en fait. D'ailleurs, oui, pour Edouard, on m'a dit ça va aller. Par contre, il passe la nuit ici. Oui, on veut le voir, mais on veut aller le visiter, nous. Je sais pas si ce sera possible, ça. Ils font leur grognon là, la queue. Ouais, on a le droit de. On ne peut même plus blaguer. Mais ils ont un nouvel employé, il faut bien qu'il s'occupe de lui un peu. Bonjour, monsieur Pal. Non, vous pouvez pas. S'il vous plaît. Voir monsieur Edouard, il passe la nuit ici. Ah, mais du coup, avec Bernard, on peut plus slider sur le comptoir. Bah, faudra lui demander avant quand même. Oui, regardez, on va prendre les rendez-vous. Oui, vous avez vu, c'est Bernard. Mais c'est vous génial. Pouvez saluer Bernard. Vous ne pouvez pas aller le voir. Je vais prendre rendez-vous là maintenant. Ah, parce que c'est comme ça. Oui, c'est super bien. Oh, hello. Madame Cooper, on se recontacte dans la soirée. C'est hein. Je vous laisse. Oui, monsieur Manoff. Qui me parle? Je suis pas de vous. Qui me parle? Personne ne vous parle, monsieur Pal. C'est pas moi. Monsieur White. Le chat noir. Vous devriez... S'il vous plaît, c'est personne qui oui. Va voir avec l'hôpital, sortez, s'il vous plaît. Moi, techniquement, j'habite à moitié ici, donc... Est-ce que vous venez pour les services de l'hôpital? Non. Enfin, si. Vacances ici. Je viens pour voir monsieur Townsend. Mais il n'y a pas de visite en ce moment. Du protocole de sécurité, les visites ne sont pas autorisées. Est-ce que vous pouvez l'amener jusqu'ici? Ah non, attendez, il est dans sa chambre, il se repose, il a besoin de se reposer médicalement parlant. Et c'est pas un lit avec des roulettes? Si on le pousse tout doucement sans le réveiller? Dans les ascenseurs. Ah oui, aïe aïe. Et voilà. On va pas de chance alors. on va y aller alors. Ça marche. Passez une bonne soirée. Merci, pareillement. Donne-le à la directrice. Oui. Oui, oui, je sais. J'arrive. Je dors ma to-do list. Je suis à vous bientôt. Tu me semble qu'il n'y a pas de visite pour monsieur Edouard, donc il n'y a rien à faire ici. Et pour quelle raison on n'a pas le droit de le visiter si on va juste 2 minutes? C'est à cause de leur protocole de sécurité là, vous avez pas vu sur l'intranet? C'est notre ami, c'est notre meilleur ami, non, c'est notre frère. Eh bien, ils ont un protocole de sécurité, les visites sont interdites. Et ils veulent pas nous le ramener non plus parce qu'il se repose et qu'il est sur un lit qui passe pas dans les ascenseurs. Dans tous les cas, là, pour Edouard, je pense que ça va être compliqué. Hein. Enfin, ça va aller pour lui, mais pour le voir, là, c'est... Elle veut juste le voir, vous comprenez? Vous comprenez le protocole... Qui s'énerve comme ça? Oh my god, monsieur White s'énerve! Il nous défend! Si vous ne comprenez pas... Je dois simplement dire qu'ils sont inquiets pour leurs amis, qu'ils veulent simplement voir s'il est encore en vie. Moi, ça va, personnellement, j'ai été assez rassuré par l'équipe enseignante. Je ne vois personne, je vois tout le monde cliquer. Très bien. Sinon, Bernard, t'as de la sécurité. Ah, est-ce que tout le monde peut sortir pour que je puisse enfin le voir? Pas la portable. Une petite proposition comme ça. D'accord. Ok. Pardon. Est-ce que vous êtes de sa famille? Non, mais je veux pas le voir, moi, je m'en fous. Ah, moi, personnellement, je suis son employé, donc je suis très proche. Sortir de l'établissement, alors. Non, parce que j'ai rendez-vous avec votre directrice. Ah, oui. Bon bah très bon rendez-vous alors. Bisous, ça va Gaston? Eh, tu trouves? Tu veux parler? Mais c'est incroyable! Mais c'est parce que je voulais faire le défilé et tout, mais j'étais pas là. Mais ça fait bien le côté garage, avocat et couleur du LS Custom, évidemment. Mais c'est super! Moi je trouve ça plutôt pas mal, hein. Je vais la garder, je l'avais pris pour le défilé, mais je vais la garder tout le temps maintenant. Et puis bien vu les chats.
Eh oui, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Ça a été dur d'en trouver une qui m'allait bien, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, Tito? Excuse-moi, je coupe ma radio. Pas de soucis. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est par rapport à tout ce qui se passe, il faut un peu de sécurité au cas où. D'accord, bah je pense que tout va bien, tout le monde est juste inquiet pour Edouard, mais ça va. Oui, mais le truc, c'est que si à un moment les EMS, ils ont dit que non, ils veulent libérer un peu la zone. Déjà, tu vois, par exemple, bon, les EMS n'ont rien demandé, mais là, il y a un véhicule qui n'a rien à y faire. Tant que les EMS, ça ne dérange pas, pas de soucis, mais... Oui, c'est vrai, moi je me suis garé en bas, hein, comme d'habitude. Ah bah, t'as bien fait. J'ai pas envie de gêner les forces de l'ordre. Officer Turcoin. C'est moi-même. C'est là qui appartient la voiture qui est là. La voiture rouge là. Yes. Elle, bah, elle est pas à vous. Mais non, là, elle gêne. Je sais pas, elle était couleur oiseau. Mais elle est à qui la voiture? Bah voilà, bravo. Non. Bah, je vais demander à un médecin si elle gêne et au pire, je la dégage. Hein. Yes. Je peux le faire. J'adore envoyer les véhicules à la fourrière. Oui, bon, mais attends, d'abord. Tu me dis 10-4. On va peut-être y aller, non? Sinon, excusez-moi, ça s'est passé comment le défilé du coup? Super bien. Jusqu'à temps que Ah, c'est ça, il s'est fait taser et vous avez arrêté l'événement? Bah, grave. Il y aura des reportages quand même, on pourra voir un peu comment ça s'est passé quelque part? Malheureusement, la caméra était en panne. Aïe. Bon, bah, tant pis, la prochaine fois. Parce que là, on va sortir un magazine de Oula Oups. C'est quoi? On va faire des photos de. C'est un de magazine mode. De revue de mode. Ouais. Hmm. En fait, on va montrer les tenues de la semaine. Et comme ça, si vous voulez être à la mode. Ah bah, moi, j'ai quand même énormément de tenues. Hein, donc, si ça vous intéresse, vous me dites et je peux vous faire un showroom privé. Hein. Allez! Enfin, pas là tout de suite, mais un de ces quatre, quoi. Voilà. Vous avez besoin d'une custom? Nous sommes à l'hôpital, nous venons voir un ami. Besoin d'un pilote? Besoin de custom. Là, on va plutôt aller payer le casino. D'accord, vous avez besoin d'un pilote? Étant donné que Edouard est indisposé. Non, merci. Bah. Ah, ouais. Ok. Que, si, peut-être qu'il y a une place en fait. Bah, bougez pas, j'arrive. C'est vrai que notre méthode est un peu embêtante. Bah, du coup, qui monte avec moi? Quelle bande de cassos. Non. Bah si, en fait. Vraiment des incompétents. Monsieur. Yes. Madame. J'ai plus une thune, c'est pas moi qui donnerai les 2000 $. Ah, c'est bon, il me les a donnés. Ah oui. Mais alors, on va au casino, monsieur Fort. Eh ben, je vous attends. D'ailleurs, ce serait bien qu'on y aille parce que j'ai pas trop l'ordre de garer là. J'ai pas fait attention. Ah oui. C'est parti. Ceinture, tout le monde. Let's go. C'est bon, c'est bon. Attends. Ah. Oh là. Vous voulez nous suivre à pied? C'est bon. Vous n'avez pas oublié de manger, de boire, quoi que ce soit? Eh ben pour une fois ça va. J'ai un petit peu très soif. Bien. Par contre moi j'avais commandé... j'espère qu'ils ont pas fait... Mais j'ai dit que j'ai payé $300 de bouteilles d'eau. Yes, et j'ai même pas reçu mes bouteilles d'eau en plus. Allô? Oui? On arrive là. D'accord. Ouais. Non mais monsieur, on parle pas à vous. Ah. Désolé, j'ai pas entendu la sonnerie. Non, je suis toujours concentré. Oui, souvent. C'est bizarre parce que... C'est grâce à Liam, il m'a appris. Les fois où on se voyait où c'est moi qui conduisais, vous disiez « Oh, le feu rouge, oh, le vitesse. » Mais j'ai beaucoup appris. Yes, j'ai vu ça. Je veux dire, à force de vous côtoyer, je me suis dit, eh ben quelque part, est-ce que c'est pas vraiment... Eh, pas mal celle-là. Technique celle-là. Ouh, non mais écoutez, je suis garagiste, je sais ce que je fais. Ne paniquez pas.
Vous voulez que je vous fasse un petit tour de... un peu de drift ? Pas la voiture, mais pas le genre. Ah oui, non, mais je l'abîmerai jamais. Parfait. Impeccable, merci Monsieur Fork. Mais de rien. Merci Monsieur Fork. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, bonne soirée, bisous. Bisous. Oh, bonjour Monsieur. Oula, dingues. Bon, tout va bien. Et on fait quoi maintenant ? Ah, j'ai une idée. Je vais retourner à l'hospital. Sur quel zébra j'ai roulé ? J'ai même pas regardé. Attendez, on est là. Hein. Ah, mais c'est vrai que... Oui, non mais oui. Oui, genre ça, oui, bon... C'est mal foutu aussi, les États-Unis. Oula. Ils ont un code de la route vraiment approximatif. Let's go. Qui me veut quoi? Allô? Mon téléphone c'est pas affiché. Oui, allô? Oui, est-ce que je vous dérange? Pas du tout, non. J'avais une petite question. Dites-moi tout. Je me permets. Oula. Pardon, bien sûr. À propos de l'affaire avec Monsieur Townsend. Oui. Bon, apparemment vous êtes l'avocat, Monsieur White vient de me dire ça. Non. Psychologique. Ah non, c'est pas vous. Ah oui, non, sur cette affaire, oui, j'ai été avocat sur cette affaire, oui. D'accord. Il y a une expertise psychologique qui apparemment a été demandée. Oui, tout à fait, oui. Qui, on est d'accord, ne peut pas être fait par Monsieur Boris Pall. Ah ben, on est d'accord. On est d'accord. Et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un de sensé. Je vous remercie. Je suis pas à mon poste pour rien. Et oui. Du coup, Monsieur White m'a dit que le gouvernement avait refusé d'envoyer quelqu'un. Oui, complètement. C'est ce qu'on avait... C'est ça ? Non, en fait, apparemment, c'est à Léon, l'officier. Ah bah oui. Sergent Dardan. Oui. Qui m'a dit par message qu'il avait vu avec le gouvernement et que le gouvernement avait dit que ce serait bien avec Boris Pall. Voilà. Ah oui, non, mais c'est pas possible. Ben, je suis d'accord. Par contre, apparemment, il proposait que Boris Pall soit masqué. Oui, non, mais moi, je m'en fous qu'il soit masqué, qu'il soit habillé en bleu ou quoi que ce soit. Ça ne change rien. Excusez-moi, vous avez un moyen simple pour retrouver le garage de l'hôpital ? Ah, c'est bon, je l'ai. À chaque fois, j'ai du mal. Hein. Ok. Oui, mais du coup, oui, mais il n'y a pas d'autre solution en même temps. Non, mais je vais essayer de contester le gouvernement de mon côté, parce qu'on peut pas faire ça, c'est... Je suis bien d'accord. Ok, ça marche. Je vous remercie. Ben, il n'y a pas de quoi. Bonne soirée. Merci. Qu'est-ce que je fous là ? Bonjour, Monsieur Bernard. Monsieur Bernard ? C'était au sujet de... Ah, très bien. C'était au sujet de Edward Townsend. J'ai réussi à virer les journalistes un peu relous. C'est très bien, très gentil ça. Je me disais du coup, peut-être que comme récompense, je pourrais aller le voir vu que c'est mon patron et mon ami. Je vis chez lui. C'est pas possible. Et c'est lui qui a les clés. Eh oui, mais c'est pas possible. Vous m'hébergez ? Pour la nuit ? Parce que je dors chez lui en fait, donc... Oui, mais ça n'est quand même pas possible. D'accord. Bon, bah je vais dormir dehors, dans la rue, sous la pluie. Heureusement que j'ai une écharpe, quoi. Je suis désolé, petit monsieur, mais je peux rien faire pour vous. Y a pas de problème. Des gros bisous. Des petits bisous. Qu'est-ce que ça fait de bien de travailler dans le silence ? Oui. Qu'est-ce que je fous ? Oh, Jackie! Salut, Monsieur Fork. T'as réussi à avoir des nouvelles de Edouard? Non, mais il refuse, il soit assez catégorique. Ouais, je vois ça. T'es garé en bas, non? Et je me suis rendu compte, j'allais sortir, mais. Bon, bah, sacrée histoire. T'étais au défilé, toi? Ouais. Alors, c'était cool? Défilé, ouais. C'est vrai? Ouais, ah, ouais. Je suis dégoûté de pas avoir pu y participer. T'as participé? Ah, attends, on m'appelle. Ouais. Qui c'est? Ah, mais. J'arrive.
Allô ? Oui, vous êtes encore dans le coin ou pas ? Oui, complètement, pourquoi ? Vous êtes au parking ? Oui. Moi j'arrive, bougez pas. Ok, d'accord. Ok, ok. Eh bien, pas de chance. Ouais, mais toi tu défilais ? T'étais top model aussi ? Non, oula, Dieu m'en préserve. Ah, moi je... Ben je sais bien. On m'en a vanté les mérites. Je crois qu'ils sont tous partis. Hein. Le qui ? Un problème, Madame Wilson ? Le Weasel News, oui. Je les ai escortés personnellement. Je leur ai interdit d'atterrir sur le toit de l'hôpital. Hein. Oh non ! Attends. Oh, c'est pas leur genre. Oh. Ils feraient pas ça quand même. Oh non, mais c'est très grave. C'est qui mes clients là ? Oh là là, j'en ai marre. Personne n'est défendable dans cette ville en fait. Non mais... Entre ceux qui avouent et ceux qui sont pris en flag... Vous avez possibilité de les appeler ou pas ? Pour leur demander ? C'est ta voiture là-bas ? La rouge là ? Ouais. Ouais. Elle est stylée. Ouais, c'est quoi comme modèle, tu sais ? C'est une Vaca. D'accord, merci. Vous êtes une connaisseuse, Madame Wilson ? J'avais vu, j'avais Elle adore les véhicules. Mais... Vous l'avez interdit de la prendre ? Ouais, on m'a interdit de la prendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On interdit les véhicules aux gens ? Interdit. Oh, vous inquiétez pas. Voilà. Et vous saviez ? D'accord. Ah, donc on a pas le droit d'utiliser les véhicules qu'on veut ici ? Si, juste elle. Ah d'accord. Ah, vous avez des problèmes de conduite ? La narcolepsie peut-être ? Oui, effectivement, en plus d'ailleurs. S'il vous plaît Madame Wilson. Bah, je vous en prie. Monsieur Farkas, puis-je vous parler, s'il vous plaît ? Bien sûr. Je vous laisse. Hein, d'accord, des bisous, Jackie. Jackie. Eh oui, bah écoutez, on est familier. Ouais, qu'est-ce que je peux faire ? Je vous en prie. Bernard m'a dit que vous tentiez de vous introduire dans l'hôpital pour aller voir Monsieur Edouard. Alors, j'ai pas tenté de m'introduire, je lui ai demandé si c'était possible, il m'a dit non, je lui ai fait des bisous et je suis parti. Ok, très bien. Après, j'ai essayé de négocier un peu, quoi, mais il a refusé. Qu'est-ce qu'il fout ici ? De toute façon, il y a que des ascenseurs qui vont au deuxième et tous les ascenseurs sont bloqués, il faut un badge, donc... Ah non, mais on va jamais s'introduire comme ça, mais il n'y a aucun problème. Ok, non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très mal me connaître, je suis limite vexé, là, quand même. Non, mais c'est parce que je préfère vérifier les informations auprès des personnes concernées. Non, mais si je connaissais un avocat, je porterais plainte pour diffamation, quand même, là, parce que... C'est vrai ? Non. Ah, en plus, je connais un avocat, c'est moi. Peter Fork, avocat ragiste, on se connaît ? Je suis endetté. On se connaît. Je sais, vous vouliez que je règle vos dettes, mais je vous ai expliqué que j'étais pas prêteuse sur gâchette. Oui, bon, c'est pas... Oui, exactement. Très bien. Je vais sortir un véhicule, mais je vois rien du tout. Ah, oui, attention. Contre le mur. Allez-y. Vous êtes pas au meilleur endroit. Vous voulez que je vous sorte la voiture ou pas ? Normalement, il y a Miss Molly qui est là. Non ? Elle est pas loin, elle est au téléphone, elle arrive. Ok. Faudrait vraiment que... Tu sais quoi, tu devrais peut-être aller voir genre des médecins pour tes yeux, non ? Je crois que c'est un peu comme la voiture épave. Si on voit le mécanicien, il y en aura plus en réparation que si on a acheté un autre. Monsieur Murphy, c'est un peu pareil. Ouais, d'accord. On est d'accord que vous n'avez pas atterri sur le toit de l'hôpital. Oh. Okay. Non, ils viennent d'arriver en voiture là. Ok, non mais parce que depuis tout à l'heure j'entends des choses et. On a rendez-vous avec Monsieur Andrews demain. Parfait, pas de souci. Problème. Rendez-vous avec Mr. Andrews. Ouais. Ouais, c'est bon, ils sont en bas. Miss Wilson pensait que vous étiez arrivé avec l'hélicoptère. Non, c'est quelqu'un qui m'a dit ça et je préfère vérifier les informations. Yes. Non, c'est normal. T'as des personnes qui se passent. On a Monsieur Andrew Ryans qui veut nous voir. Yes. Oui, c'est bien. Maintenant. Et on a rendez-vous demain. Ok. Du coup, si tu peux me le sortir, s'il te plaît. Ah oui, pardon. Je crois que tu peux pas, hein. Ah, si. C'est parti. Bon, mais au revoir, messieurs, dames. Bonne soirée. Au revoir, des bisous. À vous. Merci pour la soirée. Pas de soucis. Mais de rien. Pourquoi il me remercie ? J'ai pas compris. J'ai pas fait grand-chose, hein, pourtant. Non. Okay, alors... Ah, vous avez besoin d'un mécanicien ? On va s'amuser. Oh, ok. Attendez. Vas-y. Je crois que ça marchera pas. C'est quoi votre problème ? Ah si, ça marche. Vous aviez juste éteint le moteur. Ah ben... Non, c'est pas ça. Tout comme contrôle, c'est le moteur qui s'éteint, ça arrive. Ah ! Bon, il faut que j'y aille. Des bisous à tous. Je vais rentrer à pied, hein. Ben, Molly ? Madame Molly, montez ! Ouais.
Ce sera plus simple. Si. Vous allez au Weasel? Oui, je vais au Weasel. Eh ben, on y va. Juste en haut. Oh, ah oui. Il est là. Non, je suis partie avec la voiture de Weasel. Allons-y. Merci. Mais de rien, bonne soirée. Bisous. Bisous. Let's go. Et rebonjour, désolé, j'étais à l'hôpital. Oui, eh ben, comme tout le monde, hein, oui. Non, mais j'ai été convoqué là-bas, donc ça va. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, faut réparer les véhicules. D'accord, et pas changer les phares? Bah, si, c'est ça. Ah oui, réparer les phares, d'accord. Lui, je croyais que vous vouliez modifier les phares, quoi. Ah non, juste... D'accord, ok. Non, on n'a pas le droit de modifier les phares. Enfin, moi, j'aimerais bien. Ah, on peut vous installer les kits RGB, après si votre hiérarchie est pas d'accord, compliqué, mais... Non, ça marchera pas. Ils sont bouchés. Ah oui, d'accord. On peut le voir. Ah, il faut que je me change. Parfait. Bah, je vais aller faire pipi aussi. J'arrive. Okay, let's go. J'espère que j'ai rien raté. Ils sont pas passés en mode c'est fort. Bah en vrai cette écharpe elle me va super. Ça va peut-être devenir un peu mon écharpe de fabrique quelque part. Let's go, la voiture qui se pète pas la gueule. Ça met bien ça. Alors, une qui est bonne. Francesco? Oui. J'ai pas eu le temps de... Ben, on s'est croisé pas mal de fois. Oui. Ça va, Francesco? Bah oui, vous. Oui, ça va, ça va. J'ai pas eu le temps de contacter le patron ce soir, et là, il est à l'hôpital. Il recrute pas, du coup. Ah, t'es sûr? En début d'après, début de soirée. D'accord, il recrute pas, d'accord. Ah, donc pas... Ah. Ça va? Vous avez entendu? Oui. Il y a un hélicoptère qui vient de s'écraser là quand même. Ah oui, il y a un truc qui vient d'écraser. Quoi? Là. Quoi? Vous avez pas entendu l'explosion? Non. Je me disais, vous restiez bien calme, mais il y a eu une grosse explosion là, oui. Mais où ça? C'est pas grave, on est pas en sérieux. Je sais pas trop. Non, mais... Bah, de toute façon, ça doit être un hélico, ça arrive souvent. Je vais voir sur le toit avec mes jumelles. Ok. Du coup, Léon, c'est toi qui me disais aussi pour le petit nouveau? Ouais. Ouais. Du coup, ce sera pas possible. Ok, bon, bah tant pis. Je m'occupe de la deuxième voiture, j'arrive. Yes, merci. Je fais super attention au tonneau maintenant, pas au bidon. Un peu tragique ce qui s'est passé en tout un an avec la Kuruma.
Fais un tour au concessionnaire, je pense, dans la soirée. Let's go. En fait, pour plusieurs raisons, déjà voir quel sera mon prochain véhicule, et surtout me renseigner un peu juste sur les véhicules. Parce qu'en fait, je les connais assez peu. Je connais ceux qui viennent souvent. Après, celui de la SPD, ça va, Intercepteur, Kuruma, banalisé, tout ça, ça va. SUV. Mais sinon, à part genre Sultan, la CA et la Warrunner, j'en connais pas tant que ça. Si, genre le Burrito et tout. Après, oui, c'est vrai que c'est assez vite. Je voir peut-être reprendre le Beniz, peut-être. Ah, sinon, il y a les taxis qui recrutent, ils m'ont dit. Alors, reprendre le Beniz, je le recommande pas. Quoi ? Ben parce que vous nous feriez concurrence et ça pourrait mal se passer. Ouais, ça aussi, c'est vous qui le reprenez, monsieur Fort. Mais non, moi j'ai pas envie de le reprendre. Et vous serez un homme, mais... et en plus je serai patron du la garage. J'avoue, je peux. Mais oui, mais. Et vous serez indépendant de. Avocat, carrément, ouais. Avocat Goss. Moi, bah oui. Vavocat. Vagos, Vocat. Comment ouais. Tu sais pas descendre. Le problème du Bénis, c'est que je crois que c'est un peu moins bien qu'ici, quand même, en fait. Je sais pas, mais c'est vrai que. Est-ce qu'il y a beaucoup de choix pour au niveau des entreprises? Parce que sinon. Je... Ah ouais, il y a beaucoup de choix. Ben en vrai, le LS Custom, normalement, enfin là, c'est un peu une exception parce que on a recruté quoi 3 personnes en à peine une semaine. Donc là, on est vraiment beaucoup. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a. Ouais, il y a que le LS Custom qui m'intéresse parce que le taxi. Flemme. Bah, taxi, il y a peu de clients en plus donc. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux arrêter de faire des bêtises, c'est ça? Bah, me faire plus d'argent légalement, parce que l'argent seul, je peux, à part m'acheter des armes, je peux rien faire avec. Ah oui, pas fou. Ouais, non, bah dans les entreprises, le Weasel News, je pense que ça va être un peu saturé aussi, sinon, police, hôpital. Hein. L'hôpital, ils gagnent beaucoup leur vie de ce que j'ai cru comprendre. Ils gagnent super bien leur vie. Police et hôpital. Et ils recrutent beaucoup. Parce que bah, je fais partie d'un... Ah, bah oui, t'as un casier, oui. Mais ouais, mais... Et t'as essayé quand même de demander au cas où ? J'ai demandé de l'or au casino. Mm-hmm. Mais ouais, il faudrait que je paye les policiers parce que j'ai une amende de 30 000 $. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Donc ça fait beaucoup. D'ailleurs, en parlant de ça, tu voudrais me payer pour mon job d'avocat ? Parce que j'ai essayé quand même, hein, malgré que vous ayez avoué, j'ai fait de mon mieux. Ouais, je sais pas, vous voulez que je vous paye combien ? Je pense sur ce genre de cas, moi en général je prends 5 000, mais bah si c'est compliqué, après ça peut être une autre fois, tu vois. Bah ouais, si vous voulez. C'est que nous on se déplace pas trop pour rien, quoi, donc Bah, je peux vous payer là si vous voulez, mais après ça fait moins d'argent pour ma voiture. Ah bah moi je préfère que vous me payiez directement, hein. Je touche plus. C'est vrai. Non mais y a aucune urgence, ce sera quand tu voudras, pas de problème. Ouais. Mais sinon niveau boulot, bah le service public c'est clair qu'il recrute. Peut-être aller voir au bistrot. Ah mais après, ah oui, ouais. Eh non, le bistrot il va y avoir des problèmes, ouais. Mais service public, y'a quoi à faire? Mais police, médecin, ambulancier, pompier. Demande à l'hôpital quand même, parce que le LSPD c'est sûr qu'ils voudront pas te laisser rentrer, mais l'hôpital peut-être. Bah justement on m'a dit que non. Ah. Genre je crois tout ce qui est service public, non je peux pas. Non je sais pas trop, mais en vrai sur l'intranet tu devrais pouvoir trouver pas mal d'infos là-dessus. Moi aussi j'ai eu beaucoup de mal à trouver mes métiers. Hein. J'ai trouvé le LS Custom un peu par hasard. Ouais bah ouais, donc... je suis nettoyeur de piscine donc... Je crois que c'est pas mal en plus. Bah c'est ce qui rapporte le plus dans les métiers du Pôle emploi. Ah oui. Ah tiens. Force. Je viens d'avoir une idée. Qui vient de me venir dans la tête comme ça. Agent immobilier. Oui. On en a déjà un. Dans une autre il a ville, peu de boulot. Dans une autre ville et tout, j'étais agent immobilier. Eh ben pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être plutôt intéressant. Parce qu'on en a qu'un en fait et il est pas souvent là. Bah justement. J'y avais pas pensé mais c'est vrai que... Et moi en plus j'aurai bientôt besoin d'un agent immobilier donc grave chaud. Parce que en vrai faudrait que je me présente où pour Alors je sais pas trop, je pense que si tu vois ça sur l'intranet tu devrais voir.
Ouais. Ou peut-être en parler directement avec l'agent immobilier. Hein. Bah après j'ai pas son numéro ni rien, donc si vous l'avez. Je peux te donner son numéro, ouais, après bah comme je t'ai dit, il est pas souvent en ville, hein, donc bon, non, pire, il est jamais là. Ouais. Je pense que le plus simple, ce serait de rejoindre l'intranet immobilier. Ah, ouais, je pense aussi, ouais. Bah j'irai me renseigner sur l'intranet et puis voilà. Ouais. Quand je vous dis, il y a les taxis, je peux vous filer un numéro si vous voulez. Ah, excusez-moi, j'ai un appel, j'arrive. Ouais, mais taxi, c'est chiant un peu. Oui, allô ? Oui, Boris. Oui, dites-moi, est-ce que vous serez disponible pour une amélioration de véhicule ? Ouais, j'ai juste un client là, mais juste après, je suis dispo, bien sûr. Ok, très bien, bah je t'amène mon nouveau véhicule, alors. Ah, un nouveau encore ? Eh oui, bah je l'ai dit hier soir. Oui, mais hier soir, au final, tu m'as quand même pas ramené un nouveau. Non, mais je l'ai acheté cet après-midi quand je t'ai dit. D'accord, ah bah j'ai hâte de voir alors. Très ok, bien. Bah à tout de suite. À tout de suite. J'ai oublié de lui dire bisous, non, merde. Je peux pas tout ce qui est métier du... Ouais. Métier, voilà. Non, mais je me renseignerai pour vendeur immobilier. Ouais, sinon, faut voir à reprendre le concessionnaire, je sais pas. Oh, le concessionnaire aussi. Ça peut être pas mal. Ah, concessionnaire, ça peut être bien, mais ça consiste en quoi, le métier de concessionnaire ? Vendre des véhicules. Vendre des voitures. Mais il y a déjà un distributeur. C'est vrai. Bah oui, mais là, du coup, le distributeur serait plus disponible. Il serait disponible que pour le... Eh oui, d'accord. Ah ouais, ah donc c'est un business complètement à prendre. 10% et puis ça paye bien. Avant, c'était monsieur Damarco qui faisait ça. Mais, les pieds. Il y a pas de fait. Ça veut dire qu'il va falloir que ça paye l'entreprise. Ah, je sais pas. Faites un ticket sur le gouvernement et puis vous demandez. Pourquoi c'est un ticket de... Bonjour madame Zoé. Bonjour, oui. Vous avez besoin d'une réparation ? Oui, puisque. Alors Sky m'a dit que là c'était tout griffé sur le côté et qu'il y avait des impacts au niveau de la portière. Ah, j'ai une très mauvaise vue moi. Mais ok, ouais, ça marche. Aussi, je vais aller réparer ça. On est bien sous contrat, hein ? Oui, on est sous contrat. D'ailleurs, c'est quand les virements ? Enfin, les paiements ? Début de semaine pour la semaine. Enfin, d'accord, soit ça marche. Le dimanche pour la semaine, soit le lundi pour la semaine. D'accord, ok. C'était juste par curiosité. Hein. Mmh. Bah, je vais réparer ça, vous pouvez m'attendre ici, j'arrive. Ça marche. Putain, j'étais pas prêt. Alors, très attention au bidon d'essence. Quel enfer. Ça va, c'est pas énorme comme véhicule. Donc là, il y a des rayures partout. Hein. Let's go. Putain. C'est trop chiant d'être garagiste et de pas voir les problèmes sur les voitures. Un sup. Combien de fois les gens me disent alors faut réparer, alors où? Parce que... Voilà, apparemment je suis pas le seul au moins. Ça va. Qui vient? Pourquoi j'entends la porte s'ouvrir là? Ah, il y avait une motif, non? Ah oui, non, il faut réparer. Qu'est-ce que... Au revoir. Alors, attention au bidon. Wouah. C'est chaud, hein ? Donc suivez pas le GPS si vous devez y aller. Bah oui, mais moi je sais pas y aller du coup. Bah y'a une ambulance là. C'est bon, il est tout neuf, tout propre. Merci beaucoup. Tout beau. Vous voulez que je vous emmène sinon ? Mais de rien, bisous. Non, mais je connais le chemin, je vais guider. Moi je le connais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Y'a une intervention ? Non, mais ils venaient tranquillement, je crois, pour Custo et tout. Puis ils ont eu une intervention, ah oui, donc ils repartent. Ah oui, d'accord. Non, ça s'en va. Ok. Bon, d'abord, Francesco, est-ce que t'avais besoin de quelque chose ? Pour ta voiture. Bah, une réparation. Juste une réparation ? Bah, et si. Ouais, une custom de. Je sais pas. Non, mais ça peut être juste une réparation. Hein. Ouais, mais. Il y a les policiers. Ah, faut que tu me l'ouvres. Ah oui. Faut pas qu'ils savent que j'utilise mon argent avant de payer leur amende. Eh oui, c'est pas con.
Ah, du coup, tu peux y aller. Normalement, elle est ouverte. Ah. Oula. Voilà. Ah, nickel. Bah justement, j'ai un problème de yeux, du coup je vois pas les, l'intérieur du... Ah oui. Mais tu veux rentrer et rester dans la voiture? Bah je verrai les modifs. Oui, tu verras la voiture, ouais. Bah vas-y, je monte derrière. Pas de niveau auto-son esthétique et tout, je crois que c'est bon. C'est plus pour les performances? Ouais, genre savoir le prix. Bah t'aurais un budget de combien déjà? Là j'ai un budget de... En vrai... Ouais... 16 000... Ouais 17 000... Ouais 16 944. Ah bah y'a moyen de faire des petits trucs. Alors attends, va falloir que je sorte toute ma compta, j'arrive. C'est vrai que je suis au garage depuis tout à l'heure, j'ai pas pensé une seule fois à ouvrir le Google Sheets. Let's go. Jeez. Belle facture. Alors tout ça c'est les speedy. Ok. Alors. Écoute, ce qu'on fait, c'est que je note tous les prix de chaque truc et je te dis après combien ça coûte. Ok. Après, est-ce qu'avec ces voitures-là, comme c'est la biturbo, le turbo, il y a déjà ou non? Je sais pas, mais je te dirai ça. Ok. Ouah, le moteur. Bon, déjà, le moteur, je pense qu'on peut oublier, il est à 38 000 sans la main-d'œuvre, donc il sera plus dans les 40 000 et quelques. Donc ça c'est mort. Par contre t'as déjà un moteur de niveau 2, c'est pas mal en vrai. Ah je savais pas. 396 20 929. Non, le turbo tu l'as pas de série là. Il coûte combien? Il coûte 21 954. Ah mais c'est cher en fait. Et oui, les améliorations c'est cher, c'est beaucoup plus cher que le véhicule, ouais. Là bah avec un budget de 16 000 à la limite t'as les suspensions qui sont à 17 000 si vraiment tu peux pousser un peu, sinon il y aura que les freins à 8 000. Ah, c'est quoi le mieux? Bah c'est en fonction de toi, tu vois, si est-ce que tu vois que ta voiture freine bien. En vrai je pense que les freins c'est mieux parce que avec les policiers... Ouais, c'est quand même important. Ouais. On part sur les freins du coup? Ouais. Allez. Ok, bon du coup pas autre chose. Tu m'as dit c'était combien comment ça s'appelle? Les suspensions? C'est 17 414. Les suspensions c'est quoi? C'est ça baisse le véhicule? Ouais, ça baisse le véhicule et je sais pas trop ce que ça fait, mais je crois que ça le... Ouais, ça donne une meilleure tenue de route quoi en gros. Ouais. Bah vas-y, je repasserai peut-être dans la soirée. Ok, ça marche. Ça marche. Bon bah parfait. Je te le répare et on est bon. Vas-y. Alors, tac, il a pris que les freins, donc 0, 0, 0, 0. Ah, les feuilles de facturation, c'est toujours un plaisir. Comment il s'appelle déjà? Francesco. Voilà. Bon, et la réparation et le nettoyage, je te les offre. Ok, bah merci. Tu vois toujours pas le garage, là? Non. Ok, bah je vais te faire sortir. Ah ouais, elle freine bien. Hop, et voilà.
je vais te faire la facture ici. Et voilà. Ah ouais. Ça veut défoncer des IRL, hein, c'est pas possible. Nickel, merci. Bon, je suis désolé, il y a pas mal de monde, donc faut que je m'occupe d'eux aussi. Mais c'était un plaisir, et si tu veux repasser ce soir, il n'y a pas de soucis, tu me dis, et je serai là. Vas-y, tiens, pour voir. Oh, c'est gentil, merci. Bah, très bonne soirée, ou à toutes. Vas-y, bonne journée. Alors, vous allez pas me croire, Peter. Oui. Quand j'étais en intervention, il y a un poteau qui a traversé, et du coup, ça a dilué le demande. Non, mais c'est mon tour. Un poteau qui a traversé ? Ouais. Un feu rouge qui a traversé. Non, alors c'est mon tour. Alors, Boris, c'est ton tour, mais t'es en tant que civil. Attention, ça va vachement plus vite. Oh, putain, mais... On a un contrat avec vous, j'y peux rien. Je fais ça en 30 secondes, Boris. C'est ce qu'on lui a dit, que vous étiez très rapide. Un custom, ça prend au moins un quart d'heure. C'est un vieux grand feu, il le dit lui-même. Oh là là, les réparations gratuites là. Casse les couilles, ces contrats, ils sont pas assez chers. Hein. En vrai, vu toutes les. En vrai, EMS ça va. Mais LSPD, vu toutes les réparations qu'on fait, le contrat devrait être plus cher. Je crois que c'est 5000 la semaine. Alors qu'une réparation, en général, c'est dans les 500 balles. Bon, en général, c'est un peu moins, mais... Parfait, merci beaucoup. Et voilà. Allez, vite, vous bon Boris. Oui, sinon il va exploser. Bonne soirée à tous, bisous. Bonne soirée. Bon, bah c'est bon. C'est celle-là ? Oui, c'est celle-là. C'est quoi comme véhicule ? Ah. C'est une Futo ? Une Futo, je connaissais pas. Alors, est-ce que tu vois le garage ? Ouais. Ok. C'est ça. Mais non, mais je demande parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à voir avec la peinture et tout. Ah non, du coup, j'ai besoin de les guider en voiture. Je vois très bien. Ok. Eh ben elle était comme ça d'usine ? Là, elle est pas modifiée du tout ? Attends, deux secondes. Je coupe radio. 16. Ah mais c'est que sinon en fait j'entends pas le gars. À vos garagistes. Alors, reprends nos oignons. Oui, c'est une Futo. Elle roule déjà bien, je trouve. Hein. Tu trouves ? Ouais, ça s'achète combien ça ? C'est 23 500. Ah ouais, bah c'est pas mal. Ouais, c'est un 3 500 de plus que l'autre. Ah, je sais pas. Justement, je vais faire un tour au concessionnaire tout à l'heure parce que c'est vrai que je connais assez peu les voitures. Donc, Du coup, là, pour l'instant, j'ai 8000, donc on va faire que l'esthétisme pour l'instant. Oui, ça c'est clair. Attends, à la limite, je peux regarder un peu pour te donner un ordre d'idée. Ah, en vrai, les prix sont pas trop chers. Hein. C'est vrai ? Bon alors avec 8000, si tu pourras faire les suspensions à la limite, mais bon. Non mais on va commencer par l'esthétisme extérieur. Ok. Alors, est-ce que tu veux qu'on fasse un peu tout, qu'on passe tout en vue ? Bah on fait un truc à la fois. Oui. On fait chaque chose en son temps. Alors déjà, est-ce que tu voudrais des stickers ? Ah yes. Genre ça ?
Oh, il y a des flammes sur le toit avec, avec celui-là. Ouais. Ah, mais celui-là, il va bien avec ton caractère, je trouve. Il y en a d'autres. Ouais, ouais, il y en a pas mal. Hein. Ah, celui-là ? Non, ça, j'ai déjà eu coup dérouillé. Et bah, c'est à peu près tout ce qu'on a. Vas-y, il y en a un qui t'a plu. Tout début. Ouais. Non, pas celui-là. Non. Non. Ah, alors, par contre, c'est bizarre, il ressemblait pas à celui-là tout à l'heure. Oui, c'est bien ce qui me semble. Ah, voilà, attends, reviens. Ah, si, mais c'est qu'il y en a deux rouillés, ok, non, bah, pardon. Bah, celui-là, très simple. Ouais. En fait, il y a. Sinon, il y a celui-là. Reviens au début. Enfin, mais le début, c'est celui-là. Non, non, ce que je veux dire, reviens avant. Celui-là ? Continue. Continue. Tu vois, il y a celui-là. Ah, Flywheels. Ça, c'est marrant, ça. Eh ouais, c'est l'ancien nom du garage. Ah ouais, mais du coup, vu que... Ah, je sais pas. Ouais, non, je vais pas prendre celui-là. Bah t'as bien raison. S'il avait marqué LS Custom, il serait beaucoup plus beau. Bah du coup... Je fais un peu le tour de voir ce qu'on peut faire. Hein. Ah, l'aileron. Ah. C'est vrai que celui de série est pas très beau, je trouve, en vrai. Tu peux le te proposer un GT. Celui-là en couleur de voiture, du coup. Il y en a 3, c'est ça ? Il y en a 4. Okay, t'as celui-là, t'as celui-là qui est un peu plus gros. Ouais. Et sinon, t'as les deux en carbone. Un avec les petits ailerons en plus à côté, et l'autre qui est plus plat. Oh, je pense que je vais prendre l'allongé. Celui-là ? Celui-là, ouais. Ouais, il m'a l'air pas mal. Ok. Tant de plus. Ouais, c'est peut-être possible. Vu qu'en fait c'est une voiture. Alors, type par contre, je te préviens, vu que t'as pas énormément de budget, c'est quand même un peu cher les ailerons pour ce que c'est. C'est 1638 $. Ok, bon, on va voir pour. On va voir ce qu'il y a et puis. Ok, on verra à la fin. Bas de caisse. Oh, on a juste un modèle, un petit bas de caisse en plus. Alors, il y a celui-là, il y a juste celui-là, c'est ça ? Alors, ouais, ça c'est ce que t'as de série, on peut rajouter un petit bas de caisse en plus. Bon, on va prendre le petit bas de caisse en plus. Pareil, hein, c'est 1638 $. Mais what, mais c'est quoi tout ça? Bah, tout ce qui est amélioration de carrosserie en général, c'est un peu plus cher quand même. Ok, bon, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Ah, la caisse de sécurité, le châssis à l'intérieur, les barres. Ah, il y a les sièges. Il y a le siège. Mais ça change pas le siège, c'est juste les barres qui sont derrière quoi. Ton siège il devient rouge. Ah ouais, bah j'avais même pas vu. Et sur ça, ça vaut aussi 1500 et des brouettes. Non, 1630. Bon, on va le prendre quand même, parce que c'est important la sécurité. Ok, ça marche. Ah oui, non, un peu plus que 1630. Bon, attends. 1203. Ouais, 1800. Bon, on le prend quand même. Ok. Capot, bah ce sera des capots en carbone forcément. Oui, bah ça je me doute. Ça t'intéresse quand même ou... Celui-là est pas mal. Celui-là ? Ouais. Il est pas mal aussi, ouais, je suis d'accord. Bah, ouais. C'est après le problème c'est que si c'est peint et tout, le carbone on peut pas le peindre. Yes, pas faux. Bon, alors, moi, c'est faire. Le problème, hein. C'est un matériau qui est super, ouais. Hein, mais problème qu'on puisse pas peindre. Je viens d'avoir mon argent, allez, je suis à 9000, très bien. Alors, ah tiens, je peux changer la grille qu'il y a devant. À l'avant ? Ouais, ah. Juste au-dessus de la plaque, là où il y a marqué Futo. Ouais. Ouais. Je peux la mettre en noir, tout simplement. En gros, ça c'est le que t'as, je peux enlever le Futo. Ouais. Ou je peux l'enlever complètement. Ah. Et on voit des phares apparaître. Il y a d'autres phares. Ah non. Non, c'est l'effet que ça donne. Donc juste comme ça ? Ouais. Ok. Et au niveau du pare-choc, on a quelque chose ? Eh bien, on va voir ça. Ah, alors l'avant, on a trois modèles à proposer. Vas-y. Il y a celui-là, ah, qui prend même au-dessus des roues d'ailleurs. Ah oui. Bon, ça fait longtemps que tu fais ça.
On a celui-là. Alors qu'il te fait des petits trucs à l'avant, par choc de rallye. À l'arrière aussi, hein, ça fait quelque chose. Non, c'est que ça enlève le premier qui faisait quelque chose, mais... Exact. Et celui-là... Eh, celui-là est pas mal. En gros, ça, c'est le tout premier, celui-là ? Ouais. Le dernier ? Ah, c'est vrai que... Pour le dernier, un peu plus discret, perso. Ouais. Rebonjour, madame docteur Zoé. Bonjour. Je peux vous aider ? Bonjour. Madame la directrice. Non, mais arrête ! Bon, alors, tu préfères quoi, celui-là ou le premier ? Celui-là. Ah, celui-là est mieux. Bah, je trouve aussi. Hein. C'est vrai que moi, perso, je suis pas fan des petites vis au-dessus des roues là. Ah, ouais, c'est vrai que. Bon, on va prendre le on dernier. Que ça a été recoupé, okay. Rajouté à l'arrache. Ça va non, bah. Celui-là est très bien. Ok, et pour l'arrière, bah, ça va être à peu près la même chose, hein, je pense. Ah, il y a celui-là qui est pas mal. Avec une petite boucle. Je peux acheter, accrocher peut-être des trucs. Ah, yes. Celui-là, c'est classique. L'aérodynamique qui est dans le thème avec celui de devant. Ouais. Et c'est trop tout. Long, non ? C'est vrai qu'il est un peu long. En gros, t'as la série. Celui-là, il s'appelle Porte-Bonheur. Celui-là, c'est la variété custom. Qui ressemble pas mal à celle de série, en fait. Hein. Ouais, ça te rajoute un petit truc. Ou l'aérodynamique qui est beaucoup plus gros. Ouais, je vais prendre le Porte-Bonheur. Celui-là ? Ouais. Bon, ok. Si, Bah il faut pas rester derrière les pots. Il fait pas bon de rester devant les gaz d'échappe. Ah bah ouais. Ouh, la vache. Niveau des pots d'échappement. Oula. Alors ouais. celui-là il envoie. Hein. Alors non. On a celui-là qui est un peu plus vénère. Ouais. Ou celui-là, plus discret. Plus discret. On va prendre le plus discret. Ou le série. Hein. Oh, plus discret. Ouais, celui-là. Ouais, j'aime bien. Parce que celui qui remonte vers le haut, je vais gazer tous les habitants. Attention Zoé, écartez-vous. Ouh là là. Ouh là. Oui, non. C'est juste pour tester. Non. Très bien. Ça va pas du tout. Alors. Ah, on peut te faire un petit aileron au-dessus de la vitre arrière. Très bien, je prends. Ok. Direct. 260. Oui, je pense à vendre des véhicules. T'as combien de budget ? Bah, si on continue encore 20 minutes, j'aurai 10 000. Là, je suis à 9 000. Je suis à 9 000 et j'ai 2500 sur moi. Bon, en gros, je suis à. Les fenêtres, peut-être ? Ouais. En foncé, en clair, en. Bah, en fait, en vrai, les fenêtres. Ça fait mais un attends. Dug, quoi. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Non, rien. Ah, c'est que ça cache derrière aussi. Moi, je trouve ça vraiment cool. Bah, c'est vrai que c'est quand même super stylé. Bon, bah, pour ça. Tu sais qu'il m'a trouvé une peinture, il m'a dit ah, c'est très bien pour toi. Tu veux que je la montre après ? Vas-y, tu la montres. Je suis curieuse. Oui, bah, ouais. Bah, pourquoi tout le monde me dit que je suis grognon ? Voilà, c'est celle-là. Parce que c'est un peu le cas. Incroyable. Vendu. Je lui paye. Bah, ça tombe bien, ça rentre pas dans son budget. Vraiment, par contre, niveau budget, va peut-être falloir passer à la peinture directe, hein, parce que ça va être compliqué, là. On est à 7500 déjà, là. Mais en fait, j'ai 2500 sur moi, cash. Donc, à la limite, j'irai à la banque. Donc, on a tout. Ouais, super, le stream hack. Un petit peu de bêtises. 11 700. Ouais, on va peut-être quand même 113. Passer à la peinture. Hein. Non, mais et le petit aileron en haut ? Ah oui, c'est vrai. Bah, oui, je croyais que je l'avais mis, mais j'ai oublié. Ah, bravo. Mais merci. Je croyais que j'étais beau avant ça. Non, mais ça fait le deuxième véhicule que j'ai acheté en l'espace de 2 jours. Ouais ? Bah oui. Mais moi, quand j'en achète un, je le foule tout de suite, donc... Mais... Bah oui, mais moi, j'aime beaucoup faire que l'esthétisme d'une voiture. Ah ouais, non, moi, c'est bien qu'il soit joli, mais s'il avance pas, ça m'énerve. Bah... Ah mais oui, mais On va dire que...
souvent eu des accidents. De quoi? Hein? Moi j'ai souvent eu des accidents. Bah récemment oui. J'ai eu quoi comme accident? Ah non, pas que ça. Oh d'accord. Mais une peinture, oui, je veux bien. Moi je propose, hein, avant tout force de proposition. Non. Est-ce que t'as une idée de la couleur que tu voudrais? De la... Blanc. Blanc okay. Pâle. Ah bah c'est vrai, oui, le fameux. Alors on n'a pas blanc pâle, on a blanc polaire, c'est le rouge qu'on a en rouge pâle. Très bien. Blanc polaire. On est sûr de ça, on parle là-dessus? Ouais. Allez, on parle là-dessus. C'est qu'elle est sale, les taches sur le côté, là ou... Ouais, ouais, c'est normal. Ok, ok. J'ai pas pensé à la nettoyer avant, désolé. Voilà, tu vois, travers d'artiste. Je regarde s'il y a une... Ah bah si, oui, la secondaire en bas, ouais. Oui. Ouais, je pensais à un noir. Non. Ouais. Noir mat. Ah, ça fait un peu too much. Moi, j'aime ça... pas trop. Ouais, non, ça, j'avoue que ça... Ouais, ça fait too much, ouais, c'est le ça mot. Ça fait too much. Non, La gris, non, ça fait... Non, le gris, ça fait cheap. Cheap. Non. À la limite, est-ce qu'on inverserait pas? Noir et blanc. Je sais pas, hein, mais je verrais plus la secondaire en blanc là. On et attends, essayer, mais Peter, hier, la facture oui. À 1500. Oui. Qui en valait 300. Oui. Et bon, on peut pas la comptabiliser là-dedans là. C'est compliqué. Bah sinon, tu me refiles. La différence. 1200. Ouais, mais le problème c'est que je me suis un peu perdu dans ma compta. Moi, ce serait vraiment compliqué. Le bon prime, c'est vraiment tête. Hein? J'ai pas compris. Je vais faire un message. Ouais, non, mais je suis pas con non plus, hein. Vous pouvez dire les choses. Hein. Bon, peinture, ouais. 263, je sais pas si j'ai noté. Mais tu veux que je te défile des trucs et on voit peut-être du gris. Du gris. Oh, oh, je t'entends très mal. Tu devrais peut-être parler un peu plus fort. Là, ça va, c'est bon. Eh, un petit jaune en vrai. Jaune pâle. Bah, c'est pas dégueu, mais non. On n'a pas d'orange pâle par contre. Hein. Non, mais ça suffit avec le. Putain, pourquoi je m'appelle mais... hein, pourquoi on m'a donné ce nom? Bref. Après, ça peut être en blanc aussi. Hein. Ouais, vite. Genre comme ça. En vrai, comme ça, elle rend bien, je trouve. Hein. Avec les bandes noires qu'il y a déjà de base sur les côtés. Ouais, allez, on prend. Pas si mal. Hein. C'est partout. Hier. Alors, on est à combien? Très bien, on passe aux stickers. Les... Ah bon? Ouais. Allez. Stickers. Ouais, ouais. Le sticker bah, les. Ouais. Celui à 1600 et des boîtes. Celui-là. Alors, non, pas celui-là, justement. Passe les suivants. C'était celui-là. Non, reviens en arrière. Non. 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 Ah, lui, il est pas dégueu, quoi. C'est vrai qu'il est pas mal. Mais les bandes blanches avec le blanc au-dessus... Ça... T'en avais pas un autre? J'ai celui-là. Ouais, lui, ça fait... Après, les flammes, ça fait vraiment... Ouais, ça fait un peu carré, non. Petit. Et puis je m'appelle pas Karine quoi. Karine c'est la marque. Ouais je sais bien. C'était une blague honnête. Non. Ah mais voilà, oh, non. Parfait. Non, ça va pas oui. En vrai ça donne un petit style. En elle fait, serait reconnaissable. Les flammes jaunes ça aurait été bien avec du noir mais, ou du bleu mais... Les flammes jaunes. J'ai pas vu les flammes jaunes. Si continue ça. Ah oui, bah c'est l'électricité quoi, c'est vraiment un éclair quoi. C'est ça que vous vouliez mettre sur mon oracle.
super. Bah ça avec du bleu ça aurait collé quoi. Bah on peut essayer de mettre du bleu mais maintenant que j'ai mis du blanc faudra repayer la peinture. Non, bah tu me feras ça quoi. Sur les 1200 que tu me dois. Oui ok. Non mais non pas celle-là, ça c'est trop visible. Non mais non putain mais pas ça. Surtout pas ça. On continue. Vas-y. Bon écoute, ça c'est pas dégueu. Hein. C'est vrai qu'en vrai elle est pas si mal. Hein. T'en penses quoi Zoé? Bon, Zoé est partie. Non, non, pardon, excuse-moi. Non, mais d'accord. Mais oh là là, ça suffit. Ouais, c'est un peu vexant. Le moins pire, je pense. Le moins pire. Mais putain. Autant le laisser en blanc, quoi. Moi, je la préfère en blanche. Hein. Bon, bref. Blanc. Blanc. Du coup, le petit aileron à l'arrière. Donc, on part sur celui-là, c'est sûr. Non, en blanc, tout en blanc. D'accord. Voilà. Et le petit aileron à l'arrière, là. Carrosserie. Genre. Est-ce que tu m'avais dit celui-là. Ouais. Ouais, mais ça fait un peu too much. Ça fait trop aileron. Oh. Après on peut se faire un petit aileron comme ça. Non moi je trouve que ça rajoute, ça les lance un peu, c'est chouette. Ah ouais, c'est vrai. Et puis niveau aérodynamisme, ouais, ça l'envoie. Hein. C'est ta voiture, hein, tu fais comme tu veux, hein, pas comme moi. Vous devriez venir souvent ici, madame la directrice, pour que vous puissiez décider les gens indécis. Ça va pas t'es la directrice de l'hôpital. Enfin. Non. Vous êtes directrice. Moi je serais d'accord que vous m'appeliez monsieur l'avocat garagiste. Enfin. C'est trop compliqué à parler ça, avocat garagiste. Voilà en plus. C'est très simple du coup. Avocat garagiste, ce serait dur, c'est clair. Plus facile. Oui. Ah. Plus personnel, si on s'appelle par nos noms. Nos noms ? Donc Wilson. Nos noms. Non mais on s'appellerait tous. Salut nos noms. Ça va nos noms ? Oula, pas de violence hein, s'il te plaît. Ne m'appelle pas Wilson. Pas de violence, c'est les vacances. T'as dit par nos noms. Écoute. Si tu mélanges prénom et nom... Tu peux m'appeler par mon prénom ? Putain, ça fait deux mois qu'on travaille ensemble, tu peux m'appeler par mon prénom ? D'accord, madame la directrice. Ah, tu vas t'en prendre une et je pourrais rien faire pour toi. Attention, hein. Vous voulez que je contacte des médecins au cas où ? Non, c'est bon, on est là. Ah oui, pas con ça. Les seules envies sont là. Sérieusement ? Ouais, super. Non, mais je rigole, mais oh, boude pas, après c'est moi le grognon. T'as besoin d'un avocat, Boris ? Ouais, why not ? En plus, c'est vrai que j'en ai besoin d'un. Bon, écoute, parce que tu protèges tu sais qui. Ah non, moi je protège pas Edouard, j'étais là et il avait besoin d'un avocat, mais... Et moi je veux pas défendre Edouard, hein. Ouais. Parce que c'est mon patron et qu'il y a conflit d'intérêt. Moi je défends le Weasel News, c'est tout. Bon, on finit cette voiture ? Ben, j'attends que ça. Les jantes, c'est cher ? C'est 4000, non ? Je vais te dire ça. Non, parce que bon, celles-là sont jolies, mais... Les jantes ? Enfin, ouais, il me faut un truc qui claque. Elles sont trop petites, je trouve. Non, mais trop petites. Non, les jantes, c'est pas cher du tout, un peu moins de 1000$. Ah, bah parfait. J'ai l'impression que les roues sont petites. Non, mais c'est moi. Oui, c'est toi qui es grand. Bah, les roues sont petites, après on peut augmenter les jantes. Salut Jackie. Madame Wilson, je peux vous parler deux minutes, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Allez-y. Ah, bah, enfin tranquille. Voilà. Bon, j'ai mis celles-là parce qu'elles sont. Je disais, en vrai, celles-là, elles sont pas mal. Ouais je vois. Allez. Continue. Un truc avec pas mal de rayons. Non, pas ça. Pas mal de rayons assez fins, un truc comme ça ? Genre type comme ça, typé comme ça. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Mais pas ça. Avec des rayons plus. Qui partent du centre, j'imagine ? Ouais, tu vois, genre celle d'avant. Celle d'avant. Là ? Non, celle d'avant. Encore. Tu vois, genre type comme ça. Mm-hmm. Pas mal. Mais le pneu devient très fin du coup. Ah oui, non, mais on peut... là c'est la jante, enfin c'est la gamme des jantes. Okay. Tu voudrais plus un pneu assez vénère ? T'as genre ça ? Genre tuning ? J'ai tuning, ça ressemble à ça. Je vais voir si je peux trouver le même modèle. Ah non, il n'y aura pas le même modèle dans le tuning. Ah. Après, il y a celle-là qui ressemble. Ouais. Mmh.
Ah ça c'est pas mal ça. Celle-là ? Non, t'en penses quoi ? Ouais, en vrai moi j'aime bien. C'est un classique, ça va avec tout. Non, on doit. Alors, sachant que ça c'est chromé, et on a le modèle où on peut changer la couleur après. Ouais, vas-y, on change la couleur. Ok. De toute façon, si j'aime pas, je reviendrai changer. Et la couleur des jantes du coup ? Bah, je sais pas. Tu veux voir blanc, voir ce que ça donne ? Blanc, ça fait pas dégueu. Hein. En vrai, moi j'aime bien. C'est cool. Peut-être blanc, blanc un peu plus clair. Tu vois ? Ah, je sais pas, on peut voir, mais je crois pas qu'il y ait plus clair que le blanc polaire. Hein. Ah, et celui-là qui est assez clair. Mais qui a une petite teinte pas ouf. Non, le polaire c'est le plus clair. Hein. Et t'as un peu de type sable ? Sablé ? Peut-être, j'ai un crème. Ça peut peut-être faire un peu office. Ouais, crème, c'est pas mal. Un vanille, sinon. Ouais. Non, blanc, c'était bien. Celui-là ? L'autre, il était un poil plus brillant, non ? Celui-là ? Ah, je sais pas. Ouais, bah, il est un peu brillant, mais je trouve qu'il a l'air un peu plus blanc cassé, quoi. Mais plus brillant, ouais. Et après, il y a le noir, mais... Bon, on peut voir ce que ça donne. Hein. En vrai, c'est assez classique. En vrai, moi, je trouve que ça rend vachement bien aussi. Hein. Genre un petit noir mat. Bah, vas-y, go. Allez. Bon, et on est déjà pas mal. Hein. Là, on est sur 11 816 $. Tu veux qu'on fasse autre chose ou... Non, non, je vais mettre en banque l'argent que j'ai sur moi et puis j'arrive. Ok, bah attends, je te la répare, enfin je te la nettoie quand même. Ok, ça marche. Toujours à ton rendez-vous. Trop chiant de converser avec des gens qui ont une radio, putain. Donc là, t'essaies de leur parler, ils t'écoutent pas, après ils parlent à des gens qui sont pas là. Bon, j'ai fait de la merde, c'est pas la première fois que je fais ce problème. En fait, quand j'utilise le bouton pour accélérer... En fait, quand je veux faire ça, juste pour tester un truc... Et puis en plus, je trouve au niveau RP, ça rend un truc cool, le fait qu'il me mette un petit coup d'accel. Et bien, j'achète les trucs. Donc je crois que j'ai acheté... C'était quoi ? Le pot d'échappement ? Ouais, j'ai acheté le gros pot d'échappement. Bon, après, c'était quoi ? 200 $, je crois, donc c'est pas trop grave, mais... Ils sont tous partis. Let's go. Eh ben, il y a la voiture de Madame Zoé. Peut-être garer ma voiture d'ailleurs. Car j'ai encore. Mais c'est incroyable le nombre de clients qu'on a. C'est un truc de fou. Je sais pas son numéro. Qu'est-ce que je fous ? Quel connard. Bien sûr. On peut délaiter un tweet ? Annuler. Yes. Ah bah t'as été rapide. Ah. Oui, c'est vrai qu'elle est pas là. Je vais te faire la facture à l'accueil. Du coup, c'est combien, tu m'as dit ? 11 816. Très bien. Ah, il me manque quelques dollars. Bah, il te manque combien ? Parce que du coup, on peut réduire... Tu sais quoi ? Vu que tu m'as donné 1500... Là, bah, la porte est un peu lourde. Là, j'ai 11 753. Et bah, tu sais quoi ? Vu que tu m'as donné 3 la dernière fois, pour 11 000, c'est bon. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Nickel. Ah, parfait. Je te l'ai garé devant. Yes. Par hasard, t'as pas un truc à manger ? Si, j'en étais sûr que t'allais me dire ça. Je sais pas pourquoi, mais... Bah, peut-être parce que j'ai jamais acheté de truc à manger. Tu veux de l'eau aussi ? Ah ouais, carrément, ouais. Putain. Ah, nickel, merci. Ouais,
Oula. Mais qu'est-ce qu'il branle? C'est Jackie. Mais c'est pas ta voiture en plus? Non, c'est la mienne, c'est la bleue claire. Ok. Mais je crois que c'est le bleu interdit aussi. Ouais, je me dis ça. Mais qu'est-ce que... Les gens savent plus conduire là. Monsieur Fort, oui, bien sûr. De rouler comme ça, comme un dingue. De rouler comme un dingue, vous foutez de ma gueule. Bah, vous avez. Tranquillement, je me fais buter. Vous avez rentré dedans, monsieur? Pardon? Moi, je veux bien une petite réparation sur ma voiture perso aussi. Oui. Ouais, ok, c'est juste une réparation. Oui, oui. Ok. Mais vous avez tous les capots surélevés là ou quoi là? Ça fait du slick. Bon, par contre, vu que c'est un véhicule perso... Non mais bien sûr. Ouais. Ça passe pas dans le contrat, évidemment. Alors par contre, moi j'ai vraiment une très mauvaise vue, hein, donc faut réparer quoi au juste? Les phares, le pare-brise. Et je pense qu'il manque la vitre côté conducteur. Ok, phare, pare-brise, ok, ouais, ça se tient. Bon, ça devrait aller. Oui, je pense. Et je sais plus si elle a le turbo celle-là ou pas. Eh ben on va regarder ça. Je crois pas. Du coup, ouais, niveau réparation, ce serait $375. Pas de soucis. Et bah pour le turbo, on va voir ça. Je vais la nettoyer aussi, mais ça c'est cadeau. Merci. Eh ouais, ouais. On a des petits avantages à être directrice de l'hôpital. C'est vrai? Non. Je l'offre à tout le monde. Dommage. C'est quoi comme modèle ça? C'est une 9 cabriolet. Ok, ok. J'essaye d'apprendre un peu les modèles de voiture parce que c'est vrai que souvent j'ai des clients qui me posent des questions et Ouais. Oui, pour des conseils ou des choses comme ça. Ouais, ouais. Bah, c'est très sympa. Ça roule bien, mais ça glisse. Alors, effectivement, il n'y a pas le turbo et il n'y a pas de suspension non plus. Ouais, alors les suspensions c'est pas très grave. Ok. Et le turbo, je te donne le prix. Oh, le tutoiement qui passe crème. Turbo, 34 152. Le turbo il est à 94 96 98 pardon. On le met tout de suite. Ouais ouais. Ok. D'ailleurs, j'avais une question. Oui. Pour intégrer le LSMC, on est obligé d'avoir un casier vierge? C'est mieux. Ouais, mais est-ce que c'est obligé? Ça dépend de ce qu'il y a sur le casier, on va dire. S'il y a beaucoup de trucs. Ça dépend de la nature des trucs. Si c'est des feux rouges, bon. Non, c'est pas du tout des feux rouges. Ah, c'est pas du tout des feux rouges. Ouais, on est sur plusieurs gros crimes, quoi. C'est plus embêtant alors. Mais c'est quand même possible ou pas du tout? Ça dépend de l'entretien qu'on a à la personne et de l'extrait qu'on peut avoir par la police. Ok. Ok. Pourquoi, vous avez un potentiel candidat? Ouais, ouais, ouais. Honnêtement, je vais être honnête, de toute façon, vous allez vite vous en rendre compte. Un gangster qui voudrait... Ouais, ouais, un gangster, un vrai de vrai, qui voudrait bosser chez vous. Ok, sachant qu'on bosse chez nous, on peut plus être gangster, hein. Ah, bon bah ça je sais pas trop s'il est au courant de ça. Bon là, peut-être lui rappeler pendant l'entretien, mais... Vous avez son contact? Ouais, ouais, ouais. Mais oui. Je vous le donne. C'est merci. Mais vous l'avez peut-être aussi, peut-être que vous le connaissez, c'est Francesco. Non, j'ai pas son contact, il me semble. D'accord. Alors c'est Francesco Juana. Je l'ai croisé cet après-midi, il me semble. Et son numéro, c'est le 976. Oui. 84 68. Ok, ça marche, c'est noté. Ok, vous voulez monter pour que je vous ramène dehors? Ah oui, éventuellement. Bon, sinon, vous me suivez à pied, hein, comme vous voulez. Ouais, même pas prêt à repartir. Non, je plaisante, c'est pas grave. Écoutez, le client est roi et quand elle est directrice de l'hôpital en plus,
On fait ce qu'on veut. Ça n'a rien à voir. Alors, du coup, on avait dit... Ah oui. Si je vous fais deux factures, une pour le turbo et l'autre pour la réparation, ça va ? Pas de problème. Ok. Donc celle-là, c'est pour le turbo. Et pour la réparation. Voilà. Nickel. Bah merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent ? Mais attendez, mais c'est pas Francesco là-bas ? Ouais, bah moi aujourd'hui. Tout va bien ? Une voiture en vente et elle est partie d'un coup. Ah ouais ? Tout va très bien. Ouais. C'est trop beau. Francesco ? De quoi ? J'ai oui. Un turbo sur ma voiture. Oula. Oui, on va faire un tour si tu veux. D'accord, ok. Bah juste après, on verra avec Madame Zoé qui est là-bas. C'est la directrice de l'hôpital. Et je lui ai demandé si on pouvait travailler à l'hôpital avec un casier. Elle m'a dit ça dépend de l'entretien. Donc à la limite, je lui ai laissé ton numéro et si jamais ça te branche toujours, voilà. Cherchez un travail, monsieur ? Quoi ? Cherchez un travail ? Ouais. Bah si jamais, moi je suis patron des taxis, on recrute, si ça vous intéresse. Ouais, mais justement, taxi, je sais pas, je trouve ça pas ouf en vrai. Hein. Après, à l'hôpital, tu feras beaucoup d'ambulances et tout. Bah, je préfère ambulance que taxi. La porte est ouverte, faites comme vous voulez. Bah, ouais. En parlant de porte ouverte, qui a besoin de quoi ? Moi, c'est. Jackie, t'as besoin de quelque chose ? Moi, j'ai besoin d'une répa. Ah, bah, écoutez, si c'est juste les réparations, je m'occupe de vous d'abord et je ferai Francesco après, d'accord ? Les réparations, okay, c'est rapide. C'est rapide. C'est celle-là, Jackie ? La bleue interdit ? Je sais pas si elle est ouverte. Et parfait. Oh là là. Ah oui, alors. Je note des trucs. Alors, je vais te la réparer aussi, mais c'est offert. C'est très gentil. Bon, tu sais, c'est normal. Hein. Jésus, il répare Jacques. Et voilà. Bon, bah, on se retrouve. Je la sors et tu m'attends à l'accueil pour la facture ? Ouais. Alors bon, il n'y avait pas beaucoup de dégâts, ça va être simple, hein. Allez, je te la fais pour 300$. Ok. Je crois que ça devrait être un petit peu plus, mais bon, ça va le faire. Bah, merci beaucoup. N'hésite pas à me mettre la facture que tu veux, hein, moi ça. Non, mais 300$, ça devrait être bon, je vais pas tout calculer, mais ça devrait passer. Merci beaucoup. Mais de rien, un plaisir. C'est vrai. Bisous. Merci, toi aussi, bisous. Ouais, ça se passe bien. Pardon, c'est à moi que vous demandiez ? Ah non, c'était au monsieur. D'accord. Ah. Oui, quoi ? Oui, ça se passe bien pour vous, je vous demandais. Bah ouais, ça va. Enfin... Jackie, dégage ! Jackie, je vais te niquer. Jackie ! Enfin, d'un boulot, il y a les taxis. Oui, d'un taxi aussi, d'ailleurs. Pas de problème. Alors, pour moi, du coup, une réparation, monsieur, s'il vous plaît. D'accord, j'imagine que c'est le taxi ? C'est le taxi, j'ai un parc qui est pété et j'ai l'enseigne en haut qui est tombée, je l'ai mis dans le coffre à l'arrière. Ok, d'accord. Juste pour info, vous savez que nous, à l'ES Custom, on propose des contrats d'entreprise. Ben je sais bien, mais figurez-vous que j'ai repris l'entreprise il y a quelques heures à peine et qu'il faut que je voie ça avec votre patron, mais là je sais qu'il est à l'hôpital, donc c'est peut-être pas le bon moment. Oui, mais... d'accord. Mais du coup, ça vous intéresserait ? Ah oui, complètement. Moi, vous avez ses coordonnées ? Oui, bien sûr. Oui, bon bah ok, bah, je vous laisse voir ça. Je vais discuter avec lui de ça et... Mais pour l'instant, il n'y a pas de contrat. Pour l'instant, non, on va faire ça comme ça. Ouais, ok.
Bah je vous laisse m'attendre à l'accueil, je répare vite fait et j'arrive. Enfin à l'accueil, je vous avoue que... Ah vous voyez mal ? Ouais je comprends. Ouais, ça marche. Alors je le connais pas. Il y aura pas de prix d'amis. Hein. Ce sera $500. Et rien d'autre. Puis ça le poussera à... Ça le poussera à faire un contrat. Du coup, c'est... Mais attends. Je viens de capter. Ah oui, non, c'est Andrew Ryan. Ok, je suis con. Andrew Ryan. 500. Ouais, pas. Allez, hop. Ouais, heureusement que j'ai pensé à prendre un petit carnet avec moi quand même, dès le premier jour. Je me suis dit, il y a moins que ça me soit utile ça. Et ben évidemment, ça m'a été très utile. Je l'ai nettoyé aussi, je sais plus. Bon, on va dire que oui. Et voilà, il est comme neuf. Nickel. Alors, et voilà pour vous, et on vous offre le nettoyage, hein. Ça c'est cadeau. Oh, bah c'est gentil, merci beaucoup, voilà. Ben merci à vous. Très merci. Bonne soirée. Très bonne soirée, je vous remercie encore. On se tient au courant pour les contrats. Ah oh bah oui, comptez sur moi demain. Parfait. Bon, c'est bon, on va pouvoir y aller. Ah, désolé, ouais. Les clients s'entassent un peu des fois. Bon alors, c'était bien cette conversation avec Monsieur Ryan. C'est le taxi, Monsieur Ryan. Ouais. Ah, c'est fermé. Bah, ouais. C'est bon, hein. Et t'as envie de bosser chez les taxis maintenant ? En vrai, non. Non, je sais pas, je trouve ça nul en vrai comme métier. Bah, faut aimer ça. Hein. Que en vivant, pour un peu dans le genre, ouais, c'est bien. Alors, bah déjà, je vais te la réparer. Et tu vois toujours pas le garage ? Ok, let's go. Hasard, sur la voiture, tu peux mettre des stickers ? Genre... Ouais, je veux voir ça. Ce que je me demandais. Francesco. Voilà. Ok. Alors ouais, il y a pas mal de stickers. Ouais. Mais écoute, je les défile et s'il y en a un qui te plaît, tu me dis. Ah, il y a les bandes. En vrai, les bandes, elles sont stylées. Par contre, on pourra pas changer la couleur des bandes. Oh ouais. Est-ce qu'en noir, ça serait mieux ? Ah non, ça serait pas possible. Ah celui-là est pas mal. Assez classique et tout, ouais. Ah oui, il est stylé. Et voilà, c'est tout ce qu'on aura. Bah, mais le... Bah, les qu'on a... Celui-là. Par contre, c'est cher, hein. C'est cher. Je vais te dire ça. C'est 6278. C'est quoi le mieux, de mettre des suspensions ou ça ? Bah, c'est toi qui vois. Est-ce que tu préfères le style ou les suspensions ? En vrai, je préfère le style, hein. Mais go pour ça alors. Bah ça. Ouais, hein. Ah, du coup, allez, c'est parti. D'argent, hein. Y a quoi comme niveau esthétique on va changer encore ? Bah, on va pouvoir faire le tour. Tu te souviens un peu de ce qu'on avait changé ? Bah, ouais, j'ai été passé avec ton collègue, on avait changé les phares, les roues, aileron et tout. Vous aviez changé les bas de caisse Ouais. Par choc tout ça, je crois on avait okay. Pratiquement tout fait. On va voir les fenêtres, le klaxon. En vrai non, ça m'intéresse pas, je sais pas. Est-ce
assez cher, je crois. Non, ça va, ce sera un peu moins de 1000$. 700 et quelques, je pense. Eh bah, ouais, pas si. C'est pas mal celui-là en vrai. Bah, est-ce que t'as une idée de ce que tu voudrais? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Genre, je crois qu'il s'appelle Vinwood ou un nom de ville, je crois. Bah, il y a San Andreas. Ouais, San Andreas, fais voir. Ah, ouais. C'est celui-là. Hein. Mais je crois qu'il y en a un autre qui a un nom de ville. Ah, il y a Liberty City. Ouais, fais voir. Très bon opus, hein, Liberty City. Bah, ouais, mais celui-là. Allez. Let's go. Et puis, je pense que ça sera tout. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Et par hasard, Oui. Tu peux pas, genre, faire des fausses plaques ou les retirer? Non, 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 ça je peux pas. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui demandent, mais pour l'instant, on peut pas. Ah, dommage. Ça va peut-être venir un jour, mais pour l'instant, non. Ça. Okay. Ok. Bah, écoute, je la sors et je te ferai la facture d'heure. Alors d'ailleurs, niveau facture, c'est pas toi qui m'avais demandé si on pouvait payer avec de l'argent marqué? Ouais. J'ai eu des nouvelles à propos de ça. Ouais. Je te le dis quand même au cas où, mais je pense que ça va pas trop t'arranger. Mais oui, c'est possible. Par contre, nous, ce qui se passe après, c'est qu'on est obligé de livrer l'argent au commissariat et de dire qui nous l'a donné. Sachant qu'après, du coup, bah, vu qu'il y aura une preuve que c'est toi qui as payé en argent marqué, tu devras rembourser la totalité de la somme. En argent propre. Ça sert à rien. Effectivement, ça sert à rien. Le seul avantage, c'est si jamais tu peux pas payer sur le coup en argent propre, on peut pouvoir peut-être faire retarder la procédure. Voilà. Mais après, en même temps, nous, on n'est pas trop embêtants. Si jamais tu peux pas payer, c'est pas grave. Quoi. Ouais. Bon, dans l'idée, vaut mieux quand même éviter. Ouais. Après les flics ils vont faire chier et tout, je pense. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et du coup oui, pour l'hôpital par contre, on m'a dit hôpital ça peut peut-être le faire. Par contre, si t'es engagé à l'hôpital, t'as plus le droit d'avoir une activité de gangster. Ouais, c'est ça. Plus aucun braquage, plus rien du tout. Hein. Parce que moi je compte quand même continuer. Du coup l'hôpital, ouais, ça va pas être possible. Ouais, ce soir je mettrai mon CV pour l'agent immobilier, et puis... Ouais, ça peut être cool, ça. Et en plus, je te verrais bien en agent immobilier. Bah ouais, dans une autre ville, j'étais agent immobilier, et c'était pas mal. Ouais, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. Du coup, voilà. Ok, bah écoute, bah, quand j'aurai bonne chance pour ça. L'argent, que j'aurai payé mon amende, bah je passerai ouais, pour... Ouais. Bah, suspension, turbo et tout. Ça marche, bah tranquillou, hein, chaque chose en son temps. Bah, du coup, ouais, demain et après-demain, je serai pas en ville. Ouais, moi non plus. Bah vas-y. Eh bien, à la semaine prochaine du coup. Bonne soirée. Allez, à plus. Des bisous. Je suis passé en banque. Ouais. Bah ils sont tous barrés. Il y avait plein de clients, ils sont tous partis. Mais c'est chiant parce que je suis obligé de m'occuper des clients, sauf que pendant ce temps-là, eux, ils papotent devant et après, ils se barrent entre eux. Et du coup, moi, je suis tout seul. Pas de chance. À moins qu'il y ait vraiment un bail et qu'ils aient envie de m'attendre. Hop là, le sport. Ah, Peter, tu trolls. Le sport? Bien joué, Peter. Ah. Bon, vas-y, c'est bon, c'est chiant. Ah. Oui, allô? Oui. Vous êtes toujours au garage? Ouais, j'arrive dans 2 secondes, là. Je suis passé à la banque juste à côté et j'arrive. Ok, je vais vous chercher. Ok, à tout de suite. À tout. Bonjour monsieur, ce serait pour... Oh, ce serait pour déposer de l'argent, j'ai 605$. Eh ben écoutez, on va faire 19 400. Allez, 19 395. Au secours, 19 395. Déposé, on est d'accord? On est d'accord, très bien. Ben je reconnais ce véhicule. Ouais. Il est vachement bien custom, dis donc.
Incroyable, fait par un professionnel. Ouais, je crois bien, je crois bien. Tu viens me chercher pour aller où, là? Au garage. Ah, d'accord. J'ai besoin d'une réparation, parce que même Zoé m'a explosé la voiture. Non. Tu l'aurais pas appelé madame la directrice? Non, c'est quoi Zoé? Bon, je sais pas. En général, ceux qui se garent là, c'est les concitoyens. Ok. Y'en a qui ont toujours pas compris que c'était un garage interdit. C'est un gros sacré véhicule. Ouais, c'est vrai. Bah, on en a des pas mal. Hein. Petite réparation. Attends, je regarde combien j'ai mis sur le compte. J'ai 1953. Non mais le plus simple c'est que t'attendes d'avoir plus et qu'on se fasse ça tout d'un coup. Oui, c'est pas faux. Parce que en vrai, honnêtement, nous on est obligé d'ouvrir une nouvelle feuille de facture à chaque fois et bon... Ouvrir un nouveau dossier pour 1000$ c'est un peu relou. C'est pas faux. Bon, je te la nettoie aussi. Faudrait peut-être faire... Ce serait cool qu'on fasse... comme hier, truc à terre. C'était plutôt pas mal. Ouais, c'était pas mal en vrai. Ben, je sais pas si Léon et Gaston sont là. Voilà. Le zaplet, tiens. Eh bien, vas-y. Moi, je vais aller mettre le 4x4 là-bas en fourrière. Ok. Messieurs, on vous l'a déjà dit plein de fois, c'est interdit de se garer ici. Hein. Non. Bon, c'est bon, juste pour ça, je te l'offre. Du coup, ils sont pas possibles pour aujourd'hui. Enfin, je veux dire, pour ce soir, pour maintenant, pas possible. Ok. Et eh ben, je sais pas trop où on peut aller. Hein. Et là, ouais. Ah bah, moi, faut que j'aille au concessionnaire en vrai. Ah bah, très bien, je t'ai Herman. Allez. Tu sais ce que tu veux prendre? Non, justement, j'ai envie de regarder un peu et puis même me renseigner pour mieux connaître les modèles. Okay. Alors attention au bidon explosif. Hein. Oui, je vais faire attention. Parce que oui, t'es peut-être pas au courant, c'est que tout à l'heure ça me l'a refait avec avec une Kuruma de la police. Non. Et sauf qu'elle s'en est moins bien sortie que la tienne. Hein. C'est vrai. Putain. Ah, elle était foutue. Ah, c'est couillon ça. Ouais. Bah, tu vois. On a fait le test du turbo de la voiture de Zoé. Mmh. Et ben, c'est pas pour être méchant, mais ma Monroe qu'on a utilisée hier, je fais les deux sens sans aucune customisation du véhicule. Ah ouais, aucune du tout? Aucune. C'est un véhicule que j'ai acheté à 91 000 euros. Ouais, ouais, après, ouais, ok. Après, et celui de Zoé, il a coûté combien? Bah, on va voir ça tout à l'heure. Celle-là, je pense que je vais mettre les freins sport parce que. Elle dérape beaucoup. Ouais, mais les freins, c'est trop important. Heureusement, c'est le moins cher, mais. C'est bon. Ouais, c'est bon. J'aime bien me mettre à la place du conducteur avant de sortir des fois. Je me doute. C'est marrant cette écharpe que t'as. Ouais, ouais. C'est pour rappeler les couleurs du Los Santos Custom. Ouais, comment? C'est où c'est que t'as froid de gorge? Alors. Eh bien, regardons ça. Je sais pas si tu peux me. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Parfait, ça. Alors, la voiture de. Bah, c'est une AF Cabrio à 91 000. Bah, si tu vois, c'est le même prix. Une Cabrio. En sport. Ah. Et moi, c'est une sport classique. Et c'est une. Monroe. Ah oui, maintenant, elle a... ouais, c'est 93 000. Ouais, l'inflation.
Non, c'était 93 Mystic en fait, avec le, l'ancien concessionnaire, j'étais monté à 96. Non, c'était dedans. Pas mal celle-là. Je te dis des bêtises, je l'avais payé 112 000. L'ancien, combien la Buffalo West ? L'ancien concessionnaire. Et attends, les Buffalo West, elles sont pas chères du tout, là. Elles sont à 20 000. C'est dans... Ça me chauffe, hein. C'est dans les sports. Buffalo... T'as mis un temps, ça ? Ouais, moi j'aime bien. Ah, la Buffalo West, elle est plus... Ouais, elle est carrément cool, hein. Elle est type sport. Il y a une voiture que j'ai vue en ville. Ah oui, la Coquette. La Coquette. Ouais, elle est cool. Hein. 65 000. Mais... Attends, la LG Retro Custom. On peut parler du prix ? Oui, bah ça c'est la même. Par contre, elle fait un bruit. C'est la même que. Alex. Ok. Sinon, t'as la LG RH8. Mais la, le drift te tente pas. Ouh la jugular! Ah, je me prendrais peut-être celle-là quand je serais très riche. La jugular. Ah oui. Ah oui, par contre, ouais, ça... Son... Oh la néon! C'est quoi ce prix? 1 million. Non, 350 000. Pourquoi, il y a des trucs à 1 million et tout? Toujours dans les sports, j'avance dans les sports. La Paria, 300 000, elle est pas mal. Ah oui, putain. Ouais, mais 300 000. Ouais, non, mais oui, ça c'est vraiment juste pour montrer que t'as 300 000 à mettre dans une voiture, quoi. Bah, sinon t'as la Shafter, mais. Ah, la Sentinelle, elle est pas mal, hein, 65 000. Ah, t'as la Sultan Biturbo maintenant. Ouais. Genre, on en a fait une il y a pas longtemps au concessionnaire. Ah, je sais pas si ça change vraiment grand chose. Elle est sympa la Tropos, elle est jolie. Elle est originale. Alors Redon. Et c'est quoi la différence entre sport et sport classique? Bah sport classique c'est type ancien. Ah oui, effectivement. Ouais. Et les super, c'est quoi? Super, c'est celles qui vont encore plus vite, qui font du 100 km/h en 2-3 secondes, un truc comme ça. Ah ouais. Mais bon, t'as eu le prix, quoi. Ça va donner, ouais. Bah, j'essaie de voir justement s'il n'y a pas une petite pépite. Ah bah, il y a la Sultan RS en vrai dedans. Elle a 65 000, ça va. Attends, je vais juste avoir une absence de 30 secondes. Ok. 600 000! Ah, c'est ça, c'est qu'en fait. Ah, c'est la barre d'espace qui. Alors, dans les super, y a rien qui me transcende. Hein. Ouais, y en a quand même pas mal, mais bon, elles sont super chères, quoi. La T20, si. Et les voitures de rallye, c'est quoi? C'est spécial pour des circuits de rallye. Mais tu vas voir... On n'a pas le droit de les conduire en ville, non? Non. Ouais, du coup, c'est pas fou. Mais maintenant, j'ai vu qu'on peut acheter dans le service public. Ouais, mais en vrai, c'est interdit, non? Certains véhicules. Oh.
En fait, avant, il y avait plus de véhicules, mais c'est... Il y a le Chevrolet. Il y a le Clio V6 à 100 000. Yamaha. Ferrari. Ford Raptor. Golf. À 100 000. Colgate. Il y a une Lotus. Très jolie. Ah ouais? Ouais. Ah, par contre, toi, ça doit mettre un peu plus de temps à s'afficher. Ah bah, les véhicules d'entreprise mettent beaucoup de temps à s'afficher, ouais. Bah, passe directement ouais, ça... à nouveauté. Ah ouais, j'avais pas vu. Ah, oh, il y a la Mazda. Il y a une Mazda là. Avec plein de stickers. Nissan GTR 17, très bien. 400 000 euros. Ah, y en a qui sont bien quand même. Bah, en vrai, je me tâte à me prendre une petite Buffalo. Subaru BRZ. Putain, pourquoi ça met 1000 euros? Tu veux prendre quoi? La Buffalo RS là, qui fait un peu plus sportive. Elle est en quoi? Elle est dans les sports. Sportif. Sport. Ah oui, la Buffalo. Bah, en vrai, vas-y, hein. Pour 20 000. Je pense qu'elle pourra me durer longtemps le temps que je m'en prenne une vraiment chère, quoi. Puis j'aime bien la gueule qu'elle a. Et puis surtout, elle a 4 places. Et en vrai, des sports à 4 places, il n'y en a pas tant que ça. Ciao. Eh ben, c'est parti. T'as l'argent? Ouais, j'ai pile. Bah, parfait. Allez, c'est parti. Faut que t'ailles la chercher derrière. Mais ouais. Là-bas. Attends, je mange un peu. T'as raison. Parce que si je fais un coma, je sais pas qui va pouvoir me sauver. Bah moi. Ah ouais, pas con. A chaque fois je fais cette vanne, et à chaque fois les amis sont en mode, bah je suis là. Elle a de la gueule, hein? Mets-toi Radio 23. Ok. Et voilà. Parfait. Je vais peut-être passer au garage vite fait quand même. Un go to get. C'est vrai qu'elle a plus de patates que la mienne. En tout cas, elle fait un super bruit, ça c'est assez plaisant. Et puis elle se manie bien et tout, en vrai elle est bien. J'espère. Bah par exemple, la tienne d'hier, j'ai pas aimé du tout. La Monroe, ouais, elle est très... Ouais. Elle part vite en steak. T'as oublié de tourner? Non, je tourne après. C'est stratégique. J'essaye de plus en plus, enfin en fait depuis le début, j'essaye de me repérer sans GPS. Mais du coup, des fois, je prends pas le meilleur chemin, quoi. Moi, c'est ce que je fais, je connais la vie de par cœur. Bah justement, j'aimerais bien arriver à ça aussi.
que si je mets le GPS, du coup j'ai toujours le nez pointé dans le GPS et je vois pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire sur celle-là ? Ah, j'ai un client. Un client ? Mais attends, mais je crois que c'est gasteux. Ah bah, qu'ils viennent. En vrai, ouais, c'est gasteux. Ça va te faire plaisir avec cette voiture. Ah, ce qui est bien, surtout, c'est que je peux payer. En soi, je peux faire ce que je veux et payer plus tard, quoi. C'est vrai. Surtout que si c'est moi qui le fais, je touche quand même une prime sur ce que je fais, donc en soi, j'ai des réductions. C'est top. Ah, par contre, elle est pas trop modifiable. Ah. Le moteur, je peux le augmenter que d'un niveau. Mais l'esthétisme. Ah, l'esthétisme, il y a de quoi faire, ouais. C'est une voiture banalisée. Enfin, deux flics. Attends, je vais laisser la place quand même pour eux. Vous avez vu, sergent ? Ouais. C'est ma nouvelle fork mobile. Ah bah... Bah je viens de l'acheter, il va falloir que je la custom, mais elle est jolie, hein. Ah bah oui, elle est plutôt jolie, ouais. Ah, c'est mieux que la voir, elle. Oui. On va taper mon véhicule. Ouais. Là, il y a besoin. Monsieur Léon, c'est pas combien ? Oh, le fata. Bah alors, monsieur Léon ? Oui ? C'est pas conduire ? Pris cher. Là, ils ont de la chance que ce soit gratuit tout ça. Hein. Non, bah, je vais me faire ma petite facture et je paierai dès que possible, mais j'ai peur que ça monte très vite. En vrai, je pense qu'avec ce genre de véhicule, un petit noir et tout, ça passe toujours bien. On est prêt. Ok, pardon. Merci, bonne journée. Bisous. Complètement taré. Un petit peu. Eh bien. Bon, ma voiture. Ouais. Elle est de quelle couleur là ? Elle est orange, nacré noir. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nacrage noir. Bon, moi franchement, sur ce genre de véhicule, je pense que le noir, c'est un peu la seule solution. Non, moi je trouve que c'est pas joli. Ça fait trop kékos. Mais t'as de l'esthétisme. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, par contre, oui, c'est vrai qu'il y a un nacrage un peu moche, j'ai l'impression. Un peu orangé. Bah, c'est le nacrage ou alors la secondaire, hein, mais normalement c'est noir. Hein. Bah là, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est mat. Ouais, c'est noir mat là que j'ai mis. C'est du mat là. Attends, du coup, faut quand même que je me fasse ma compta. Oh la dame. Qu'est-ce qui se passe ? On est quand même sur du mat, non ? En termes de couleur. Ouais, noir mat, ouais. Ok. La secondaire. En fait, la secondaire, j'arrive pas à voir ce que c'est. Ah oui, d'accord, ok. Bon, en vrai, ça. Hein.
Non, j'ai pas regardé combien ça coûtait. 132. 132. Et du coup, t'as des amis, t'as des... T'as un certain esthétisme à l'extérieur ? À l'extérieur ? Ah, je veux dire un ex. Ah, genre aileron et tout ? Ouais. Oui, je dois avoir. Hein. Oh, ça c'est bien ça. Argent comme ça. Ouais, hein. J'aime bien celui-là, il pète bien, je trouve. Il est nickel, j'aime bien. Allez. Alors. Ah, il y a les ailerons. Après, j'aime bien sans ailerons aussi. Hein. Ah, ça c'est bien sûr. Ouais, un petit truc comme ça à la limite, pourquoi pas. Ah, ou plus ça. Je sais pas, je vais peut-être laisser sans ailerons pour l'instant. Je suis pas fan des ailerons en carbone. Celui-là, je trouve qu'il est trop relevé en vrai. Alors, s'il était plus dans la lignée de la voiture, ça irait mieux, je pense. L'autre, il est plus trop. T'en as un petit, t'as un moyen de. Hmm. Ouais, non, je verrai plus tard. Tu vas peut-être mieux. Niveau bas de caisse. Bon, je peux juste avoir un petit bas de caisse en plus. Ah! Les arceaux de sécurité et le châssis. Direct. Ouais. Non négociable. À niveau capot, on a le carbone. Oh. Bon, ça non. Un peu trop. Mais celui-là est pas mal. Hein. Celui-là il est unique. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien celui-là. Allez, 976. À la grille. Je pense que je vais prendre celle-là, celle de série, mais ah, ou celle-là plutôt. Celle-là. Celle-là est bien. Ouais. Attends, je vois même pas la différence. Ah oui! C'est quoi? D'accord, ouais, c'est la couleur un peu. Le pare-choc. Pas mal. Mais magnifique. Non, peut-être plus un truc comme ça. T'aimes pas avec l'autre? Non, j'aime pas trop les petites barres en métal. Je vois qu'en vrai, j'aime bien le celui de série. Après ça évite que les cailloux ne remontent quoi. Ouais, je verrai. Alors l'arrière par contre il y a peut-être un truc à faire. À l'arrière ? Ouais. Ouh, ah ouais, celui-là il est bien. Regarde, celui-là c'est celui de série. Bon, il y a celui-là que je trouve pas dingue. Mais il y a celui-là. Ouais, pas mal. Ajoute les petites grilles et tout, ouais j'aime bien celui-là. Il est vraiment bien. 1024, let's go. Oh là là, j'espère que je pourrai payer ça avec ma prime, normalement oui, mais... J'espère pour toi. Alors niveau peau. Là on a les titanes, hein, toujours. Hein. Les ronds comme ça. Ouais, celui-là c'est vrai que... Ouais. Là j'aime bien aussi les doubles. À la limite celui-là est rond, mais quand même séparé en deux. Ah, je sais pas, je verrai plus tard. De toute façon, vu que c'est ma seule voiture, hein, j'aurai le temps de. C'est pas comme si je passais rarement au garage. Ah, je peux me prendre un petit pare-soleil. Bon, je ferai ça. Ah, les fenêtres. Très important.
C'est qui vient et qui part depuis tout à l'heure? C'est monsieur le taxi. Ah. Oh, j'ai oublié les néons sur ma voiture. Ouais, je sais pas trop. Peut-être des néons blancs, je sais pas trop. Après, c'est pas... C'est dur de rajouter de la couleur sur cette voiture, quoi. Peut-être sans néons, c'est mieux. Sans néons, c'est bien aussi. Mais t'as mis que 50% dans la teinture de vitre. Plus que 50%, mais je peux pas les teinter complètement. Parce que dans certains... Enfin, je peux, mais c'est illégal. Oui. Dans certains véhicules, la teinture à 75%, c'est comme si tu étais à 100%. Ouais. Les plaques noires, c'est sûr et certain. Je crois qu'on a un peu fait le tour. En vrai, il y a les jantes et tout, mais je les aime bien comme ça. Non, ils sont bien. Ah non, au niveau cosmétique, pour l'instant, c'est à peu près tout. Juste m'occuper de la mécanique vite fait, et on est bon. 27-20. Allez. Ah bah non, maintenant je peux... Bah, trop bizarre. Tout à l'heure, le moteur, je pouvais l'augmenter qu'un tout petit peu, là je peux l'augmenter à fond. Et il me dit que le niveau 2 est déjà installé en plus. Parfait. Bon, je le ferai peut-être en dernier, le moteur, quand même. Hein. Combien? Bah, il est à 17 000, mais avec la marge, ça doit être un peu plus. Tu m'as entendu? Oui, tu l'augmenteras à la fin. Oui, mais je te disais, il est à 17 000, mais avec la marge, ce sera un peu plus. Ah oui. Et ça, pour le coup, ça commence à faire cher. Un petit peu. 9, 5, 4. Mais non, pas sur le moteur, sur la suspension. Ah, quoi que... Tu sais ce que c'est... Ah, mais... Quoi ? Tu sais ce que ça fait, toi, les suspensions ? Ça rabaisse la carrosserie, mais ça perd. Mais ça sert à autre chose. Tu perds en adhérence. Mais du coup, quel est l'intérêt? En fait, tu perds en adhérence, mais tu gagnes en vitesse. Ah oui, d'accord. Donc, c'est qui tout double. Eh ben c'est pas mal. Ben ouais. Bon, ça me paraît bien. 32 000 balles quand même. Hein. 32 000... Ah oui, quand même. Ouais, ben j'ai tout monté à fond, sauf le moteur. T'as tout mis à fond quand même. Ah non, et pas les suspensions. À part moteur et suspension, j'ai tout mis à fond, ouais. Bon, bah elle est très bien. Un petit coup de polish et c'est parti. Vraiment que je me décide à vendre un véhicule, mais je sais pas lequel. D'ailleurs, comment on fait pour vendre un véhicule? On va... on va... C'est sur intranet? Non, c'est... Attends. Ah, attends, j'ai un coup de fil. Vas-y. Ah, mais c'est gasteux. Toujours encore. Allô? Oui, allô? Oui. Ça te dit de faire comme hier à l'aéroport? Ouais, carrément. Je suis avec Boris, on arrive. Bah très bien, je te sors ta Crozer. Ok, on arrive. Hein? Non, t'inquiète, pas besoin. Ah si? Ah, obligé? Ah non, je sais pas. Mais parce que je viens de m'acheter ma petite fork mobile, là je suis un peu chaud de l'essayer quand même. Ah, t'as la fork mobile? Eh ben, oui, oui. T'as la fork mobile, ok. Bon, parfait, bah on arrive. Moi je disais ça comme ça pour être sympa. Ouais, non, t'inquiète, bah c'est très gentil, mais là je préfère ne pas.
Bah, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Ah, tout de suite. À la limite, tu veux voir un truc rigolo ? Ouais. Regarde l'Instagram. D'accord, je regarderai. Voilà. Ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Quoi donc ? Bah, c'était Gasto qui m'appelait pour aller faire comme hier. Très bien. Donc, ils sont au PDP, j'ai dit qu'on les rejoignait, donc je nettoie la voiture et c'est parti. Ok. Et ils me proposaient de prendre la cruiser, mais bon, voilà. Ouais, je me doute. Bon, chacun avec son véhicule, c'est ça ? Bah, du coup, oui. Allez. Je vais leur dire de venir sur la radio. Ok. Tu leur dis ? Ouais. Ok. Elle est bien. Alors, il m'a dit de regarder sur l'Instagram. Instagram. Incroyable défilé, une fête de passion, ok. Ici 22 sur Radio 23. Yo. Qu'est-ce qui se passe là ? Je suis en train de regarder l'Instagram. Bon, on se retrouve à l'aéroport. Je sais pas comment il a fini là-haut. Mais c'est la brigade ou c'est où ? Non, c'est Gaston. C'est moi. Mais comment t'as foutu ton compte ? Je sais même pas. 19 à l'aéroport. Non mais je sais pas comment il a fait. C'est vraiment indépendant de ma volonté. J'ai une question. Aussi. Mais on prend pas une troisième voiture de... Tu veux une voiture de police ? Bon, en soi c'est pas obligatoire. Ouais, c'est pas grave. Ok. Il y aura un chasseur en voiture banalisée. Ok. Tu t'es customisé ta Ford Mobile ou pas ? Ouais ouais. Bon, bon elle est pas complète complète mais elle est bien. Et puis elle est déjà trop chère. Donc voilà. J'ai réussi à me perdre. Non mais... Ah non, c'est bon, j'arrive. Non mais je t'attends. Hein. Je suis passé devant le Beniz. Ah. Mais tu m'attends où ? Devant le Beniz. Mais pourquoi tu m'attendrais devant le Beniz ? Ah, c'est la route. Ah, Gaston, tu m'enlèves tes girons, là ? Ah, avant l'intervention. Mais on se rejoint directement à l'aéroport ? Ouais. Ah, mais moi, Gaston m'avait dit PDP. Et si tu prends pas le véhicule direction. Eh oui. Bon, faites attention quand même. Oh là ! J'espère que vous avez gardé votre tenue. Votre. Alors oui, j'ai bien gardé ma tenue. Mais il vient d'y avoir une explosion de fou là. Où ça ? T'es où ? Bah, je suis à côté du PDP. Mais J'ai tapé Gaston, désolé. Je vois rien de particulier. C'est devant un appartement à louer. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon. Bon, juste une explosion en plein milieu de la ville, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup ces derniers jours, non ? J'en avais jamais vu autant. Et là, j'ai l'impression que ça répète partout, tout le temps. C'est juste qu'il y a des pilotes de merde et qui sont pas virés, c'est tout. Mais attends, mais t'es où du coup ? Bah là, j'étais au PDP, j'arrive vers l'aéroport. Et ça m'a un peu ralenti cette histoire d'explosion. Je suis revenu te chercher en plus. Ah, et pas de chance. Si seulement j'avais. Bah, je suis vraiment pas loin de l'aéroport. On va bien sortir. Prendre de l'essence. Gaston, tu rentres toujours par le sens interdit. C'est pas un sens interdit. On roule à droite aux États-Unis. Et voilà, on roule à droite. Gaston, on va placer des petites caisses pour Hardy Philippe. Ok, on en met où ? Oh, où tu veux. Okay. Vous allez placer quoi ? Certains tunnels, si tu veux. Des petites caisses. Ah ouais, vous pouvez faire ça où ? Vous voulez que je mette ma caisse à outils ou des plots ? Je peux poser des plots un peu partout. Moi aussi, t'inquiète, mais non, des... c'est trop petit. Si, Marie. Je peux pas poser de poteau.
Si, il me faut remplacer plein. Eh, t'as vu ça, Gasteux? La fork mobile. Elle est bien. Wow. Ah, ça a de la gueule. Et puis elle roule bien. Ah bah pour la peine, c'est toi qu'on va construire en premier. Allez. Elle est trop oscillante. Ouais. Bah bon, elle manque un peu de vitesse, c'est clair, mais Oh la dingue, je l'avais pas vu. Non, elle se pilote comme j'aime en plus. Ouais, par contre, ça manque de moteur. Alors, attends. Ouais, elle met du temps à accélérer. Hein. Je vais aider le gouvernement à régler un truc, donc je passe vite au PDP. Vous pouvez commencer sans moi, s'il vous plaît. Ok. C'est quoi comme truc C'est la blanchisseuse du PDP. Ok. Eh, par contre, en vitesse de pointe, je suis pas fou. Hein. Mais... Je suis sur les pistes, je crois que j'ai vu 174. Les pistes ralentissent un peu à l'aéroport. Ouais, les pistes elles ralentissent, donc ça veut dire 174, tu peux faire du 200 sur la route. Non, peut-être pas, peut-être du 190 quoi. Et en dehors, sur les autres trucs qui sont pas des pistes, ça ralentit ou pas? C'est le fugitif en vue. À part en dehors du... Ouais, il y a encore plein d'explosions là. C'est le gouvernement, non? Non. Ça va, Boris? Ouais, je faisais le plan. Bah, je sais pas du tout d'où ça vient. Ah, mais peut-être les avions là-bas, ils sont pas encore garés à deux là? Putain, c'est possible. Bah attends, j'ai l'impression qu'il a fumé là-bas. Non mais ça va, ouais. La conduite. Qui ça? Toi? Je fais comme je peux, hein. Un rouleau comme un porc, là. Pas du tout. Je suis en côte, je suis en giro. Heureusement que je me suis arrêté au feu rouge, parce que là, c'est bon, je suis en côte. T'es touché ou pas? Pour moi, c'est décalé. Oh ouais, tu m'as touché. De toute façon, là, faut que j'aille avec le gouvernement. Pense à parler radio, donc t'as pas ça. Oui, ok. Oui, tu m'as touché. Ah, Speedy, get down. Et on fait la course. Tu veux de wow? Bah, de là jusque. On verra. Juste une ligne droite, j'ai envie de tester un peu. Ok, on se met là. Vas-y, fais le départ. Allez, 3, 2, 1, go. Il est parti en même temps, Dieu. Ouais, c'était bien. Ah ouais, quand même, hein. Ah, je... Bon. Bah, je sais qu'il faut pas trop que je m'engage dans des... C'est sur la durée. J'ai pas trop amélioré le moteur. Hein. Ouais, non, tu traces quand même. Qui est full perf aussi. D'ailleurs, dans les customs avec la police, vous mettez toujours les transmissions à fond du coup. C'est ok à fond. Oh. Je vais crash. Ça va? Ok, non, ça va. Et ça part en ligne droite. Oh! T'es fait. Très bien. Ok, le fugitif Papy Bobo est actuellement vers le premier. Ouais, désolé, mais là je regardais Instagram, c'est quand même incroyable. Ah oui, non mais...
Je sais même pas presque comment j'y suis arrivé là. Je crois que c'est un bout de trottoir qui m'a fait décoller. Eh ben. Par contre, j'ai une peur bleue. Ouais, j'imagine, ouais. Mais ça va, t'as pas été blessé? Ah non, mais moi j'avais rien, mon SUV s'est posé tout gentiment sur le truc, mais j'avais peur, moi après, si j'étais arrivé plus loin. On peut même dire que j'étais sauvé par le logo de Life Invader. Eh, ça c'est plutôt pas mal, hein. Et ouais. Vous êtes où? Le fugitif est actuellement au niveau... Oh, y'a un hélico qui va se crasher, je le vois. Il va se scratcher. Il descend. Attends, quoi? Il va se poser ou est-ce se scratcher? Bah, il se posait très rapidement, mais il a disparu. D'accord. Oh, ouais, non. Et là, maintenant, il est au-dessus du garage d'Evin Weston. Pardon. Ouais, bon, c'était juste... Bon, qui fait fugitif et qui fait Speedy? Oh! Ouais. Mais attends, mais on dirait la voiture de Boris ici. Ah, oh, ça y est, t'as trouvé comment changer tes klaxons. Ça me... Du coup, qui fait... C'est insupportable. Mais comme vous voulez. Si vous voulez, je peux commencer, on voit. Vas-y, allez go. Allez, feu. Allez. J'active ma dashcam. On va essayer de le maintenir sur la gauche. Ah, elle est demi-tour, elle met vraiment longtemps à redémarrer après. Hein. J'essaie de me remettre sur sa gauche pour l'envoyer dans les pistes. Ok. Bien joué, Sagasso. Ouais. Un peu content. C'est quoi? Pardon. Excuse-moi, c'est moi, je me souviens peut-être un peu trop bien. Mais du coup, ça doit être super dur en vraie course-poursuite puisque vous avez pas le droit de provoquer d'impact. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, dès qu'on peut coincer, si le gars arrive trop vite, moi perso, j'essaie de me décaler pour pas toucher. Ouais, vous devez limite arriver à son niveau et le pousser gentiment contre un mur, quoi. Très gentiment. Faut même vraiment pas le toucher. Et il faut que ce soit lui qui s'arrête, quoi. Bah c'est ça, faut pousser à la flotte, faut bien le coller au cul. Après quand on est plusieurs, on peut mettre des airs, on peut faire comme ça. On passe sous un tunnel. On va tout droit. Ah non, je t'entends très bien. Je t'ai derrière. Ok. Bah j'ai pas besoin d'entendre. Le niveau de cargo défoncé. Il fait une tour, il revient sur la grande piste. Et au niveau des gradins. T'as trop de mal à redémarrer. On joue au niveau de tunnel. Oh là là. Bonjour. Oh. Ça va. Non, non. Vache. Vous avez tapé ou pas? Non, non, on s'est pas tapé. Ah bah. Oui, bah moi aussi après, mais. C'est que j'ai été surpris de le voir. Attends, attends, là il y a besoin d'une petite pause réparation. Ah oui, ah ouais, j'ai pas du tout. Mais en fait, j'ai été tellement surpris de le voir que j'ai paniqué et je me suis pris les escaliers juste là, derrière la voiture. Ah ouais, putain. La gueule de vos deux paniers. Et toi, il t'est arrivé quoi? Tu t'es pris le mur? Vous avez pas touché, mais Boris,
pour moi, il a incrusté le mur. Bah je vois effectivement plusieurs gros impacts sur le mur. Ah non mais alors je sais pas si vous voyez la voiture comme je la vois, mais... Moi ta voiture je la vois très mal. Toi, la tienne, sur le capot, le capot est fait comme ça, le vers le bas, tu vois t'as un arrondi. Genre comme si t'avais un arrondi tout dessus. Ah ouais. Non moi je la vois bien par un impact là. Ouais. Bah, moi je pense pas qu'elle de bonne part. Bah c'est d'économiser les repas. Après vous êtes sous contrat hein, donc ça coûte rien les réparations. Ouais mais il faut pas d'équipe ou quoi? Bah en fait non. Ah ok d'accord. Je croyais mais non. Non c'est open bar, c'est juste long. Ouais non mais t'embête pas le mien il est mérite moi je Ok. Vous me rechassez ou on change? Moi je vous voulez. Ça me change rien. Moi j'aime bien aussi être chassé. Et on chasse la police. Ah oh, ouais. Allez Gaston, tu vas te mettre un peu à la place des autres. Putain ok. Mais je suis nul. Attends, t'as une voiture rapide. Ouais, c'est vrai que. Bon, la mienne n'est pas custom du tout. Hein. Que je mette un limiteur 17 à 80, je le cut. Ah. Bon, j'arrive du coup. Ouais. Ok. Ça va, tout s'est bien passé? Oui. Oh! Tu m'as fait tellement peur. Alors, je t'avais pas vu. T'arrivais une seconde avant. Ouais, carrément. On aurait pris cher, ouais. J'apprends de mes erreurs. C'était un peu risqué comme chemin. Non, mais en vrai, t'as raison. C'est ce qu'il faut là. C'est moi qui aurais été en retard. Il arrive vers Devin Weston. Fait demi-tour sur les pistes. Il est vers la Dios Airlines en. Non, mais viens pas en Riot. Ça va être beaucoup trop lent. Ouais, mais si j'en touche. Il passe à gauche des tunnels, il arrive vers les gradins. Il va traverser les gradins, passer à gauche. C'est bon, j'ai sorti la Riot. Ça arrive. Non, mais viens pas en Riot, ça va être trop lent, ça va pas être. Riot, c'est les Evo gros camionnettes là? Ouais, c'est le truc ancien. Grosse camionnette. J'ai tout. Gradin. C'est les blindés. Gradin et on retourne vers les pistes, les tunnels. Pas plus vers les pistes, il est là où il y a les bagages. Je pense qu'on va véhicule bien un peu cheap dans le Fiore du coup. Bon, en même temps, tous vos véhicules ils coûtent 150 000 à faire donc oui. Bah ouais. Ah ouais, c'est tous sans exception? Non, c'est un peu moins. En vrai, vu que vous avez la réduction, c'est 131 000 pour les SUV et les Interceptors. Y'a que la Kuruma où c'est vraiment pas cher. Kuruma c'est 45 000. Non, et les motos c'est 131 000. Non, 100. Je sais plus. Ouais, c'est 131 000 sans la réduction donc c'est un peu bon. Question, le Touré. Pour ça j'en peux pas. Et vos Riot ils sont améliorés aussi? Disca. Je crois que le mien est pas super. Ça va que je viens de... Alors de mon point de vue c'est incroyable. Oh, c'était pareil du mien, je crois. Oh non. Fonce-moi dessus, c'est bon. Ouais, t'inquiète. Eh ben, comme quoi, l'achat du châssis. Trop la vache. Regarde, le châssis, il est intact. Produit ici. Une connerie. Pitié, monsieur. Ah non. Putain, mais le saut que t'as fait. J'arrive avec le rayette. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Et celle-là, elle doit bombarder, non? Bah c'est une Kuruma pas custom non? Pas custom. Mais qu'est-ce qu'il faut allonger par? Merci. Oh j'ai un petit vol plané. C'est cool ça. Ouais, c'est dommage que j'ai pas de dash quand même. Bah, mais... Regarde. Incroyable. Après moi je garde en mémoire tout ce que je vois hein, donc ça peut se retrouver. Qu'est-ce que tu fous? Très bonne mémoire. Mais moi aussi du coup j'ai activé. Dash que je vais. Non t'as le droit. Et ouais, elle fait des super bonnes images, hein, ta dashcam. Hein. Ouais, c'est bien. Je suis jaloux. Elle a des meilleures images que mes yeux, quoi, donc c'est un peu chiant. C'est vrai, moi, ah, ouais, j'ai vraiment une vue si de merde. Une dashcam, ça y est, c'est fini, je m'endors. C'est code 66, ouais. Exactement. C'est ça. Du coup, bon, on chasse un peu 80. 80, c'est bobo. Allez, c'est parti. Et effectivement.
pas ça. J'essaie de... Non mais... Bah oui, je te bloque la droite, passe pas à droite. Non, c'est un accident. C'est toi qui es en tort. Ah bah il s'est bloqué tout seul. Hein. Ouais. Allez, on bloque. Eh oh, la voiture bélier là. C'est pas légal ça. Après, quand on est en course-poursuite avec la police, est-ce que vraiment la légalité. Non, mais d'après la France générale. Ouais. Ouais. En vrai, c'est dommage ça, non? Vous qui êtes à la SPD, vous trouvez pas que ça pourrait être enlevé de la convention de Genève? La voiture bélier? Ouais. Dans le cadre d'une course-poursuite et tout. Les filles, je suis d'accord, mais la voiture bélier, au bout d'un moment, ouais, quand t'es arrêté. Oui, ouais. Ouais, ça, je suis un peu d'accord. Par contre, quand un autre véhicule arrive pour rentrer dedans, à la limite, bon, pourquoi pas. Là, tu vois, ce sera un autre véhicule qui pite. C'est pas une voiture... Ouais. Ouais. Comment je t'ai touché là? Ouais, non. J'étais vraiment à 15 mètres. En hein. Plus de gauche. Boris, j'ai envie de faire une course après, en ligne droite, toi et moi, juste pour voir. J'ai l'impression que je te rattrape un peu, ouais. Moi aussi, je veux participer. Non, mais vous, y'a aucun suspense, vos voitures coûtent 3 millions. Mais bon, mon véhicule n'est pas du tout custom en fait. Ouais, il a aucune perte. Ah non, tu me dépasses. Tu me distances. Après, j'ai amélioré tout sauf le... Oh, désolé. J'ai rien pu faire. Mon cul, je peux me tasser. Oh, bien ça. Oh. J'ai... Putain, mais les deux dans les choux, là... Ça va, 17? Ouais, ça va. Oh oui. J'ai bobo. J'ai bobo besoin de médecin. Ah. Faut les petits bobos. Ah, c'est. Eh ben, c'est incroyable ça. Tu t'appelles Bobo alors que t'es médecin? Bah oui, c'est pour ça que je l'appelle Papy Bobo. Oh, désolé. Ça suffit avec ça. Attends. C'était tout léger, on est d'accord? Attendez, 80. Ouais, stop, y'a pas ça. Allez, on bloque. Je moi. On est d'accord que là, je t'ai juste effleuré, non? Pour moi, c'était très léger. Non, mais en voiture. Ah, rien. Ouais, les gars. Bah, le blanc, ça se salit vite, hein. Par contre, clairement, Bobo, ton véhicule, faut qu'il soit réparé, là. Bah oui, c'est ce que j'ai. Oui. Il ressemble plus à rien. Ah oui, l'avant. Ah oui, bon, l'arrière. Ah oui, par contre, j'ai besoin de rentrer dedans. Ouais. Parce qu'en fait, si je rentre pas dedans avant, après, des fois, il y a des surprises. Le véhicule noir. Ok, il est magnifique, hein. Ouais, il est bien déglingué aussi. Par contre, le bruit, le bruit est super satisfaisant, je trouve. Alors, il correspond pas vraiment à la vraie puissance du véhicule, mais le bruit est cool. Bon, pour le petit coup de polish, on fera ça à la fin. Là, je pense que ça ira. Oh, le SUV! On va pas abîmer, moi. Ah, disons que la notion de symétrie, elle est pas respectée. Ah, tu l'as abîmé? Rentre dedans, on va voir comment ça va. Vas-y, rentre dedans. Là, c'est bon au niveau du capot, du pare-choc et tout? Non. Bon, toujours pas. Bah non. Ah bah je... Bah vas-y. C'est moi, Boris, de te défoncer le pare-choc arrière de ta caisse. Pas du tout. Alors là, je l'ai pas touché. Pour moi, il est par terre, là. Non, mais ça, c'était l'autre... Ça, c'était quand on l'avait touché avant. Non, j'ai l'impression aussi qu'ils sont un peu apparents, là, les échappements. Et puis ma vitre arrière, bon... Oh! Bah, attends. Qu'est-ce que c'est? Non, oui, non, bon. Gaston est rentré dans le SUV et j'ai vu toutes les vitres exploser. Bon.
Ça arrive. Ah, ça arrive, ça. Et ben on va prendre en chasse la courma. Ça marche. Je passe au stand de réparation quand même, moi. Ok. Vas-y. Gaston, tu colles, hein. Ok, Devin Weston. Enfin, je colle, je fais des colles. Non, tu colles. Non, tu colles, tu vas à l'école. On va faire le tour du Devin Weston, si vous pouvez passer de l'autre côté pour bloquer. Ok, non, il fait demi-tour, tu peux revenir, ça serait pas mal. Ok, il retourne de l'autre côté. Affirme-toi, Gaston. Tiens le tour. Je dis pas, ce serait pas mal, t'es le plus haut gradé ici. 10-5, c'est pas mal le plus haut gradé. Mais Léon là c'est un fugitif, c'est pas un policier. T'es avec deux stagiaires là, donc c'est toi le plus haut gradé ici. Ouais. Bah, Boris c'est bien meilleur. Hein? Boris c'est bien meilleur. Je suis pas le meilleur. Oui, mais peut-être meilleur, mais il est pas gradé. Bah, donc c'est là, toi qui donne les ordres. Mais les EMS c'est... Bon. Putain j'ai vu les tonneaux d'essence là. Sur l'avion. Yeah. Oh comment j'ai fait le toucher, c'est tellement passé proche. Oh les concitoyens avec leur porte-bagage là. Oh bonjour. Monsieur. Touché là ou pas? Oui. Un peu décalé mais pour moi on est pas. 12 000. Oh c'est bien ça 80. Ça. Alors ça c'est interdit ça. Si c'est ce que. Vas-y passe. Si c'est ce que j'ai vu c'est. Ouais je pense que c'est bien ce qu'on a vu. Ouais. Ça y ressemblait beaucoup. Bravo. En vrai c'est très. Mais ça je trouve ça dommage que la convention de Genève l'interdise. À partir du moment où on est dans une course poursuite avec la police, en vrai, on se prépare à vivre ça quoi. Oui mais le c'est problème ça. En fait c'est que si tu fais ça au bout de 3 secondes, il y a du fun en fait guide pour personne. Ouais, c'est vrai. Oui, ouais, c'est vrai. Un certain temps, peut-être. Ou Ouais, peut-être, pourquoi pas. Ça, j'ai bien fait de me prendre le grillage. Tu pars dans les tunnels ou quoi? Non, il est vers les pistes, direction Devin Weston. Droit vers Devin Weston. Passe un peu à gauche, mais il y a rien, donc MDR. Il fait le tour de Devin Weston. Ok. Bah, je passe par l'autre côté, par les grandes pistes. Je vais le pit. Comment ça? Il ressort. C'est là où je suis entré. Ah d'accord. Ah bah du coup on est derrière toi. Il sort du hangar. Ah il est sur noir hein. Ouais je suis pas sûr pour rien. Il va vers les grandes pistes. Là j'ai un gros code. Oh là, 67. Oh là. Ah oui. Ouais. J'essaie de le bloquer à gauche et puis elle se voit derrière. Je suis à gauche aussi en vrai. Je suis derrière. Ouah derrière. Bah du coup il tourne à droite. Oula. Ok je le follow là-dedans, essaie de toucher toutes les entrées. Ok. Essaye de bloquer à droite. Là je vais à celle d'après Bobo. Là il continue tout droit, il a pas encore tourné, donc continuez. Je le vois, j'ai le visuel de loin, il pourra pas me... Hein? Ah je savais pas qu'on pouvait passer par là. La ville est payote. Moi j'ai vu les grillages, je me suis dit que c'était pas possible. Non. Désolé. Je bloque à gauche. Oula. Ah lui c'est bien bloqué ça hein. J'ai pris une petite bosse, j'ai pas pu tourner, je suis vraiment désolé. Regardez l'hélico, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Bah là, non, là ça va, il se pose gentiment. Il tourne de l'autre côté. Oh, désolé. Non mais, tu... Mais je pensais pas qu'il passe entre la... Je pourrais faire un bond de... Oh là. On bloque. Ah oui. Ah. Ah, il s'est bien bloqué. Qu'est-ce que t'as fait dans le tas? C'est pas du bowling. Il est pas bloqué devant là! Ça va Bobo? Ça va qu'on est en fait. C'est sommeil éveillé. C'est vrai. Mais. Oula! Oh, on a pas vu la même chose là. Pardon, les tunnels. Moi je vais clairement devoir réparer mon véhicule moi.
On est à la carcasse. Demi-tour. Ouh. Et sur les... Ah. Bah j'ai plus de capot et en vrai c'est pas mal comme ça. J'avoue. Passe derrière les gradins. Je suis derrière. J'aurais pas dû freiner. Si ça aurait été un pit. Je le suis. Ça encore c'est un pit. Et tout, j'ai mis le frame. Gradin, gradin, gradin. Bien, bien. Je suis content de mon coup là. Bien joué, alors en vrai, la limite était parfaite. Bah, si j'avais une limo, c'était gagné. Oui, mais j'aurais pas bloqué un premier donc. J'allais à 30 à l'heure. Piste, piste. Ok. Non, mais sérieusement. J'avoue, je suis étonné que mon véhicule roule encore. Alors, si on était en éveil total, en éveil total, je vous avoue. Là. Ok, je le tourne. Il fait le tour. Il fait le tour de l'autre côté. Il fait un demi-tour, il fait un demi-tour, il fait un demi-tour, j'ai besoin de tout le monde. Vous êtes où ? Il fait le tour de l'autre côté, il fait le tour de l'autre côté, je crois que c'est un guet-apens. Vous foncez, foncez, foncez. Je crois que c'est un cul-de-sac. Ok, c'est un cul-de-sac, venez, venez. Aïe ! Oh, mais on m'a poussé ! Oh, comment je t'ai pite ! Mais on m'a poussé ! Ça va ? Vous êtes où ? Oh. On fait une phase de réparation et ouais, on vise David Weston. David Weston. Ouais, on fait Je suis passé, je vous ai pas vu. Non, on est derrière. Ah, ok. Bah, je vous attends au garage. Nos véhicules, ils ont une sale gueule. On est dans l'entrepôt. Moi, là, je suis... Merci, merci. Cul à cul. Non, moi je vous le dis, heureusement qu'on est en sommeil, en réveil, sommeil éveillé. En sommeil, sommeil éveillé. Alors on est pas loin du sommeil total. Comment on le ressent plus en fait, niveau essence, ouais, ça va, je crois. Oui. Moi, le SUV, je vois bien pour arrêter. Là, ça va. Il est mieux que tout à l'heure, quand même. Ouais, il a une roue tordue, quoi. Oui, c'est ça. Quoi ? Tu parles de la voiture aussi. Ah oui. En fait, tu rentres sur une banane. Mais quoi ? Mais attends, je peux essayer de rouler avec ça ? Tu l'as réparé là ? Ah, oui, ouais, mais je suis pas rentré dedans. Ah, ça me fume. Ah, oui, c'est bon. Oh, bah, j'ai perdu le capot. Bon, c'est pas... Ouais, bizarrement, en rentrant dedans. C'est pas grave. Ok. Moi, c'est bon, c'est bon. Trop chiant. Merci, c'est toujours un plaisir. Allez, c'est parti. Mais point, il y a plein de sons différents. Arrête, je te rentre dedans. Le fugitif est parti, je répète, le fugitif est parti. Mais... Non, s'il vous plaît, ne m'éclairez pas. Tu veux pas de la lumière pour poser ? Tu veux pas que je t'éclaire les fesses ? Pardon. Ça sort de nulle part. Pardon, oui, bah, parce que tu étais penché vers l'arrière, c'est pour ça. Eh, c'est vrai que souvent, dans ce métier, on prend des pauses. C'est pas pour rien qu'on fait fantasmer toutes les nénettes, hein. Oui. Ouais. Mais vraiment que les nénettes, hein. Personne. Pas les femmes, que les nénettes. Ah oui. C'est celui là. Je crois que ça s'appelle les nonnettes. Les nonnettes. Aussi, ouais, aussi. Ah mais c'est génial. En fait, quand tu nous répares, tu nous refais un plein. Ah ouais. Ah, je savais même pas. Bah, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais acheté d'essence. Ah, ça se tient. Je me disais aussi, je comprenais pas trop comment ça marchait l'essence. Je vais être honnête, j'étais en réserve et là je suis quasi full, donc c'est pas une... De toute façon, j'ai un peu envie de vous dire que l'industrie pétrolière... Bah, le fait que j'ai l'impression qu'il y ait des pompes un peu dans tous les garages, ça aide pas trop quoi. Bon, après c'est pas hyper top du coup, là, dans l'idée, mais bon, tant pis. Par contre, il y a ces drakkars dans la tempête. Oui. Bon, on attend. Ouais.
Ok. Bah, c'est pour dernier, au pire. Bah, vous voulez qu'on fasse d'autres trucs après ou? Bah, vas-y, on prend Gaston. En chasse. Allez. Quoi? Non, mais non, je t'ai caché. Ah, bah attends, ok, non, on trouve Léon. Non, mais après, ouais, on n'a pas le temps de faire un cache-cache. Ah, oui. Oh, on t'aurait cherché longtemps en plus. C'était juste à côté. Bac à gauche. Oh là, désolé. L'herbe. Ça va? Ça va. Ah oui, dans l'herbe sous la pluie, là j'ai vraiment pas de. Ouais, ça va. Oh. Là, je te rattrape. Il monte à 140. Hein. Voilà, il vient de faire un 10 tour. Une bosse un peu trop grosse. Fais demi-tour. Oui, je le répète trop, comme ça au moins ça rentre dans ma tête. Il va toujours tout droit. Je pense qu'il va tourner dans plein temps. 5. Voilà, il tourne. Je suis à gauche au cas où, hein. il pourra pas y aller. La trajectoire que j'ai est juste pas parfaite. Regardez-le, il va me foncer dedans bientôt. Ah, il m'a esquivé. Il est trop fort. Dommage, c'est... Mais j'ai rien fait moi, j'étais à l'arrêt. Je pouvais pas redémarrer aussi vite. J'aurais pu prendre le partir en reculant. J'aurais pas eu le suivi pour l'entrée, t'étais vraiment bien mis la preuve, t'as chopé le lion. Non mais trop rapide. Ouais, je sais même pas si c'est fun quoi, c'est vraiment. Bah mets un limiteur. Combien? Moi je monte à 120. Limiteur, non mais. 130. 120. En plus, je pense bien. Il y a que toi qui peux aller en off-road, nous on peut pas, on a pas des véhicules pour. Moi je les atteins très difficilement les 140. Hein. Ouais, moi je mets un peu de temps à les atteindre. Ah oui, moi je m'entends 150 pour les deux. Attends, je vais faire une bonne ligne et je vais podcast. Dans 37 mètres. Que Boris voilà. Est dans les choux. Chut. Je vous rattrape facilement. Non mais de grâce, oulala, arrête de passer par les petits terre-pleins en terre. C'est bon, le... Bon, j'ai tenté un peu la vitesse de pointe, ouais, je suis à 165 sur les pistes. Après j'ai pas amélioré le moteur. Mais arrête la terre, il y a un avion... Oh, est-ce que je peux... Attends, je fais la course avec l'avion. Oh, je le détruis. Oui, bien sûr, tout le monde le détruit. Mais Dieu, tout le monde le détruit. Merci de m'avoir aidé pour mon virage. Ouais, c'est... Je vais te calmer, hein. Faut attendre au pote car on n'a pas élevé les cochons ensemble. Ni les cailloux d'ailleurs. Il est au niveau de l'avion. Attendez, je vais tenter ma petite spéciale. Ok, ça passe. C'est bien. Oh, pardon, désolé, ça va? Sous l'avion. Putain, vous êtes dégoûts. Let's go. Toi, t'es sérieux? Bobo. Oui, mais parce que je fais des plans caméra. Et on peut pas filmer et conduire en même temps, c'est bien connu. Avec la dashcam, je pense. Depuis quand il est with the news mais... Ah, techniquement, je suis contractuel, moi. Hein. Adieu. Qu'est-ce que... Il y a plus de gradin. Et t'as SUV, toi. Il est où? Par contre, là, en sommeil totalement éveillé... Oui, ça m'a éveillé, là c'est bon, c'est fini. J'ai arrivé au sol, j'ai appelé Bobo. Non, pendant 3 jours. Et au secours. T'as pas mis ta ceinture. Putain, mais on arrive même pas à le passer devant, quoi, il va trop vite. Mais j'ai bloqué à 138. On a un homme au sol. Mais oui, mais là je suis à 150. Comment ça on a un homme au sol? Ça, la mère, au boulot, hein. Ta gueule. Oh, le coucher de soleil est tellement beau. Là, vous êtes où? Dans les gradins, en fait. Ouais, vers les gradins, je me suis pris le côté des gradins. Oh, de toute façon, on va arrêter, il reste 10 minutes. Ouais, j'avoue. Yes, on me dit gratin, je l'ai exactement l'opposé. Gratin? Merci beaucoup. Bon, je t'en prie. Ah! J'allais proposer des réparations tout de suite, mais du coup, on va peut-être attendre d'être arrivé. Ouais, en vrai, ça va. Ouais, moi, ça va. Vous êtes. À quel point le pare-buffle faisait dégager des shots, et je peux te rassurer qu'avec un SUV, ton véhicule aurait dégagé. Ah, c'est quel véhicule qu'il faut dégager? Du coup, moi j'arrive, prendre l'élan. Là, on est tous dans les nôtres, donc c'est chaud. Libérer une voiture. On va tenter de la... Vas-y, attends, je vais réparer la mienne. Vas-y, attends. Je
te la mets de côté. Là, après, je pense. Je la mets là où vous êtes. Ok. Je ouais, mais. Excellent. Attendez, faut que je. De profil, de face, de dos. Ça peut. Allez, hein. Bon, je vais désactiver. Profil, c'est parti. Vas-y. J'ai mon casque. Je peux y aller? Ouais, c'est bon. Ok, j'arrive. Elle est sur la piste à gauche des gardiens. Bon, j'ai mis le harnais. Ok. 130, 140. Non, putain, je suis toujours bloqué à 138, merde. Ça a pas marché. Ah. Qu'est-ce que. Mais c'est nul. C'est super décevant. C'est peut-être parce que ton véhicule est très lourd. Moi je pensais que t'allais. Ah, c'est vrai que mon. Ouais, en vrai, ma voiture doit être assez lourde. Moi je pensais que t'allais vraiment sauter avec les gradins, Gaston. Comment ça sauter avec les gradins? Bah, c'est ce qu'il a fait, non? Bah, genre. Non, mais genre, tu prends les gradins et tu sautes. Mais c'est ce qu'il a fait, c'est là. Mais je peux qu'on retourne, vu qu'on est en train de dormir. Tu te rappelles du. De hier là, ton véhicule, comme il a volé quand je l'ai shooté. Ouais, c'est juste oui. À côté des gradins. Ouais, voilà. Ouais, non, mais pour moi, on peut. À 20 km, je crois. Qu'est-ce qu'il fait? Ton véhicule doit être très long. Attends, je vais tester voir si. Attends, Gaston. Tu me dis quand t'es pas dedans. J'ai un alignement parfait. Et comment ça? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Bah, on va voir avec un véhicule plus léger. Ah, pour la courma, vas-y. Ah, bah, je sais pas où elle est, moi je t'ai dit. La Kuroma est juste à côté, mais celle de Bobo, okay, choisis. Je fonce et. Bah oui, c'était pas genre derrière ta voiture là? Non, mais c'est la voiture, pas la blanche, hein, c'est l'autre. Ok, la Kuroma. Hein. Ah, ouais, j'ai eu peur! Mais la fond, j'ai fait demi-tour, j'ai pas voulu. Mais parce que. Bah oui, Boris est derrière sa voiture. Ouais, ton véhicule est lourd. Hein. Mais Boris, c'est con. Ok, vas-y, je prends de l'élan pour la Kuroma. Ouais, pas il est la très lourd. Vas-y. Je te dis pas la planche. Comment tu peux savoir qu'il est lourd? Bah, juste à la conduite quoi. Ouais. Et puis au saut. J'arrive sur Kuroma. Ok. Dégagez la Kuroma. Ah tu vois, tu te trompes pas beaucoup. Ouais, c'est pas toi. Ouais, c'est décevant au final. Hein. Ouais. Non, mais c'est qui sait pas s'y prendre, c'est tout. Comment ça, j'arrive comme un bazu. Un bazu. Est-ce que je peux réparer ma voiture s'il vous plaît? Aïe. Boris fait pas du rond, on va pas faire de super faire avec contre un sujet, c'est pas une bonne idée. Au pire on retourne au PDP puis on répare les véhicules au PDP comme on a fait hier. Bah ok. En soi je peux même le mettre au garage. En fait bon, dans. Roger le répare. Hein. Ouais, en fait minutes. Dans très peu de temps, faut qu'on bouge. Dans 7 minutes ouais. Mais aïe. Je vous attends la sortie. Mais t'es super résistant quoi. Eh ben j'ai mes chaussures de chantier hein. De chantier. De chantier. C'est pas pour rien que c'est qu'on est comme ça les garagistes hein. T'as des chaussures. On résiste aux voitures. De vous les chaussures. Vous êtes dans la fortie. La fortie. Ah putain, quelle bande de coups. Mais Gaste putain. Quoi? Je te tape à l'arrière, t'as glissé sur le côté. Je prenais comme jamais. Officier 17, je poursuis la Kuroma. Officier 22, je poursuis la Kuroma. Quand on prend des contresens. Bah, la Kuroma fait n'importe quoi, moi je la suis. Hein. C'est ça, on suit la Kuroma. Oula, la Kuroma. Ok. Quoi? Bon, la Kuroma a eu un petit accident là. Ah bah non. Bah, chez moi, oui. Je suis touché en personne. C'est vrai, Gaston? Ouais, j'ai pas un truc. Là, oui. Ah, là. Ça va. Putain, mais. Putain, mais. Moi, je suis pas coupable là-dedans. Non, mais arrête de manger des rollbacks là. Je suis plus. C'est bon. Allez, le premier arrivé au PDP, il gagne 5 000 $. Oh non, mais je t'ai arrêté à un moment. Non, mais j'ai pas les 5 000 $ donc. Je vais sortir ma M4 et tirer dans des pneus, on verra. Vous êtes déjà au PDP là, non? Moi, oui. Non, c'est faux, il y est pas encore. Non. Aïe. Mais je m'engueule, j'ai fait un drift, j'ai perdu du temps comme jamais et je me dis, après, je suis arrivé. C'est bien tenu, hein. On va faire votre temps à la réparer. Oui, vous les mettez au garage. Ouais. Par contre, mais. Expliquez vraiment en fait. Genre, mon véhicule n'est pas custom. Non, il va jusqu'à 190. C'est déjà énorme, hein? Et oui. Je
Ça va, on est en sommeil de bien éveillé, t'en fais pas. Ah ok, ça monte pas bien là. Non mais par contre quoi, les aurores... Bon bah 5 minutes hein. Bon bah rentre très bien. Vous voulez qu'on fasse un ouais. Riot? Non. Hein. Oh, en vrai, je veux bien regarder. Mon okay, Riot contre votre véhicule. Ah non. En deuxième Riot, ok. Oui voilà, deux Riot. On a pas genre 5 minutes. Ouais si si. Si vous voulez rentrer chez vous. En Riot contre Riot, c'est mort. Ça prend rien. Oh, bonne nuit à tous. Bonne nuit. T'allais tirer dans mes pneus toi. Allez hop. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah non, c'est pas vrai ça. Allez hop! Ah mais. Tiens! Oh non! Mais pourquoi t'as pas tourné à gauche? J'ai une envie de sortir une M4 là. Mais attends, mais. C'est moi qui habite ici, monsieur Boris. Non, je sais. Ah, tu me raccompagnais? Oui. C'est trop mignon. Moi. Comment tu fais pour disparaître comme ça les gens, c'est incroyable. Ah j'ai même le temps de mettre ma Warrunner chez moi. Je suis fort. Ah bah là. J'ai pas le temps. Oh bah bonne nuit à toi. Ouais bonne nuit, bonne nuit, bisous. Oui. Let's gong. Oui, j'habite là-bas. C'est bien ce que je me disais mais j'ai eu un autre. Du coup, tu veux qu'on se fasse un appel après ou pas? Voilà donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont trop mignons, ils se font des petits calls ensemble après. Oh, bien. Trop, trop, bien. Bon. Concrètement. Let's go. Hey, ma cam est cachée, évidemment. Let's go. Encore cette histoire de cam étrangement moche. Très bizarre. Bien. Ouf. Oh, je suis deg d'avoir raté le défilé. Mais bon. Bonsoir. Bonsoir. Tu me fais trop peur. T'as... Et bonsoir. Ta capture d'écran est mauvaise? Non, c'est pas ma capture d'écran, c'est la qualité de mon jeu. Hein? Ah, c'est t'es... que. Ouais. En fait, bah, le stream plus le jeu, ça galère trop, donc j'ai tous les réglages au minimum, quoi. Ah. Bah, moi, et même comme ça, c'est pas fluide, quoi. Ça va? Moi, sans stream, en vrai, ça va. C'est vraiment juste le stream qui prend trop. Mais après, à la limite, je pourrais gérer les priorités. Mais quand vous dites dashcam, c'est quoi? C'est juste. OBS. Oui, ok. Ah non, moi c'est vraiment GeForce Experience. Que je le lance, ah oui, ouais. Ça capture. Ah oui. Mais du coup, ça fait pour ça que la qualité est très bonne. Allez, on va tous sur le Twitch de Caillou, comme ça au moins. Bah, de toute façon, moi je vais partir. Hein. On les fait des. Bah, c'est bon, moi je m'arrête à 2h. Hein. Mais en vrai, je pense que je vais vendre la Roosevelt. Elle ne me sert plus à rien. D'accord. Et du coup, tu m'as pas dit comment on vend, je crois. Si, alors tu vas au vendeur d'occasion. Ok, oui, c'est sur et la après, mode. Tu postes une annonce. D'accord. Mais comment alors, ça marche ouais, du coup, mais... je le mets sur Discord et. La Roosevelt, quand tu les sors avec tout le monde, c'est trop classe. Bah ouais, mais c'est qu'on la sort jamais avec. En vrai, faudrait qu'on se fasse un événement Roosevelt, hein, ça peut s'organiser ouais, facilement. Faut que tu t'en achètes une aussi. T'as vu, je suis déçu avec la pub, Caillou. Ouais, pareil, je regarde la pub aussi à chaque fois, la base. Ah oui, trop bien. Ouais, c'est important, désactiver le bloc. Alors, est-ce que tu kiffes quand je dis ah, des cailloux, un truc comme ça? Non, pas plus que ça en vrai. Je suis déçu.
Non, j'avais bien aimé le jour où quelqu'un a donné une fausse identité et il m'avait dit qu'il s'appelait, je sais plus ce que c'était son prénom, mais son nom de famille c'était Caillou. Ah. Caillou. Ah ouais, non, mais moi c'est la base, genre, quand il n'y a pas de MS, le médecin interne c'est Madame Palmio. Non, mais Léon, c'est le pro pour ça, entre le gouverneur qui boit full Capri Sun et Madame Palmio. Ouais. Ah oui, c'est pas le gouverneur qui boit full Capri Sun. Après, le Capri Sun c'est facile. Oui. Mais pareil, tout à l'heure, il y a Gaston là, qui faisait son cache-cache dans la maison banque, là. Et je lui fais ouais, Gaston, tu penses que Peter, il collectionne les cailloux? Oui, c'est un collectionneur de cailloux. C'est vrai. Et toi, t'es le pro pour ça, c'est incroyable. Mais vraiment. Non, mais mec, c'est toi le pro de SUV, là. Comment tu Attends, fais? Mais par contre, on en parle comment j'enchaîne les conneries, mais celle-là, mais c'était involontaire. C'est pas possible! Non, mais surtout que tu me fais ça. Elles sont souvent involontaires, j'ai l'impression. Oui, et oui! Te oui, rends à lui! Je sais même pas comment physiquement tu peux t'écrire là-haut. Moi, en fait, j'ai vu un mur, j'ai vu que bah, ça tournait pas, et j'ai fait adieu. Et en fait, il y avait un mini trottoir où je sais pas, ça a décollé. Je fais, bah ça y est, je suis mort sur la retombée. Et là, ça s'arrête d'un coup. Je fais, quoi? Et le temps que je réalise son truc, bah j'étais safe, mais c'est incroyable. Mais je pense que Warlif devait être mort de rire. Mais en plus, je crois que après, j'ai décollé au-dessus de lui. Je suis parti dans leur vocal sur Discord et j'aurais fait « Y'a un peu flou !» Ils étaient morts, ils ont juste explosé. Ah oui, non mais c'est incroyable. Non mais c'est... Incroyable. Il y a Capri qui est venu et qui est parti. Je pense que Capri est sur le live. Je sais pas s'il y est encore, mais. Je sais pas. Mais tout à l'heure, il est. Non, il était là tout à l'heure, ouais, donc. Je pense pas. Oh, tu peux pas voir le nombre de viewers que t'as Bonne nuit. Qui tu as en viewer? Non, ça je peux pas. Non, je peux voir qui est dans le chat, mais je peux pas voir qui me regarde. Ah. Bon, allez, demain, je vous prends une petite vidéo de. Un petit best-of de toutes nos petites sessions, là. N'hésitez pas à faire des clips sur ma chaîne aussi, si vous voulez. Moi, j'ai la flemme de le faire, mais. Voilà. Non, mais j'ai la flemme aussi, hein. Non mais si jamais il y a un moment où vous voulez voir ma POV, c'était marrant. Puis après j'ai regardé les clips que Capri Sun avait fait, mais c'était nul. Oui, mais les clips de Capri Sun c'était pour l'histoire avec avec Dorino. Ah. Et les autres, ils étaient involontaires sur la même VOD. Je pense qu'il a pas fait exprès. Et sinon, tous les clips qui s'appelaient clip quelque chose, c'était juste la preuve en gros que Dorino avait fait du mass RP. Ok, je m'en rappelle pas. Mais quand il te donne 1$ pour le contrat, j'étais mort. Ouais, ouais, super. C'est trop cool, hein, Dorino. Vraiment le frère. En vrai, mec, tu revends l'info, tu t'en fous, non? Ben non, parce que justement, de toute façon, l'info, elle est masserpée. C'était ça, justement, c'est pour ça qu'il y avait le clip. C'est qu'en fait, il était pas censé... Enfin, c'est qu'il part... En fait, il me donnait une info sur Jack White, parce qu'en gros, il avait fait une demande sur le Darknet, et il avait vu sur le Darknet qu'il y avait un avocat. Et ben, vu que c'était pas moi, c'était forcément Jack White. Ouais. Sauf que, bah, du coup, masserpée, donc pas possible. Ouais. Voilà. Yep. Ouais, bon, on n'y a pas pensé tous les deux sur le coup, et c'est après qu'on s'est dit « Ah oui, bah merde, en fait !» Putain, moi, je suis deg. J'ai réussi à créer un indic, et en fait, il a balancé trop d'infos d'un coup. Et donc, du coup, le staff a dit « Mec, c'est pas possible, tu balances trop d'infos. » Et donc, du coup, on va partir du principe que il nous a menti, donc haute trahison, donc peine de mort. Ah oui, bah oui. Oula. Mais grave chaud. Ah. Mais attends, mais ton indic, c'était un joueur? Ouais, ouais. Il y a un joueur qui va avoir peine de mort là. Ouais. Mais c'est pas possible. Il est d'accord en fait. Genre j'ai dit non mais mec. Ah ok, en mode mort RP et tout. Il était... Non mais c'est bon, tant pis quoi. Mais bon, du coup. Mais c'est qui? On va pas dire. C'était Monsieur Santos. Ah vraiment? Oui. Attends, Attends, Monsieur Santos. Oscar c'est... Santos? Oui, Oscar. Ouais. Le bagage. Ah merde. C'est une info HRP. Hein. Oui, bah évidemment. Mais du coup, il va quand même continuer de jouer. Il va juste reroll ou. Ouais, bah je pense. Mais parce qu'en vrai, je l'ai peu croisé, mais il a l'air fort. Ouais, il était grave, ça fait chier. Ah ouais, il a ma place, c'est tellement intéressant. Même les rendez-vous psycho avec Boris et tout. Mais oui, non, mais ouais, de fou, le perso fou et tout, ça a l'air. J'ai eu
tellement de scènes avec lui, c'était fou, tu vois. Alors, mais attends, mais du coup, il a été tellement bon indic qu'il a été pénalisé par le staff, en gros. Il a cassé le RP de certains joueurs. Ah, il y a des joueurs qui ont été full discrets et tout, et lui, il a tout balancé. Mais parce qu'il avait les infos HRP ou parce qu'il les a vraiment grillés en jeu? Non, parce qu'il les avait grillés en jeu. Ah bah, dans ce cas-là aussi... Oui, mais c'est pas... Enfin, en gros, c'est genre... C'est des trucs qui sont... C'est des... Ouais, c'est pas fair play d'une part. Et c'est surtout des infos qui sont énormes. Et il les a vendues pour une bouchée de pain, en fait. Bah, c'est comme... Ah oui, c'est... Ouais, okay. Du coup, bah, c'est... Oui, c'est ça. C'était pas fair play tout ça, donc... Par contre, je sais pas si c'est normal, mais t'es en waiting screen sur ton live. Non, c'est pas le waiting screen, c'est l'écran de cam, juste que je... Hop. Mais je cache la cam parce que je fume. Ouais, mais il faut... C'est pas bien. Ah, mais premier fumeur que j'entends pas fumer, tiens. Peut-être parce que t'as le push to talk. Non, même, de toute façon, c'est... j'ai un bon micro, c'est tout. Oui, non, mais même, d'habitude, ça s'entend dans la voix et tout. Bah, c'est parce que je prends pas des lattes de bâtard. Ouais, mais même. Mais sinon, je peux le faire aussi, y a pas de soucis. Non, mais là, je fais un peu exprès. Non, mais je... Ouais, voilà, ce truc-là, c'est... En fait, le grand secret de ce truc, c'est vraiment de mettre la voix nasillarde. Comme pour le Québécois, il faut avoir une voix nasillarde. Ah, j'espère qu'un jour, tu vas prendre le truc. Bah, c'est-à-dire genre... Ouais. Genre, ta voix, elle doit partir dans le nez, tu vois. Ah, ok. Intéressant. Puis c'est pareil, là, quand tu t'en vas pour parler québécois, en fait, c'était la même chose. Ah, genre, putain, tu le fais bien. Ah, il le fait trop bien. Bah, oui. C'est vrai que c'est trop fou. Il faut les deux, les enfants. On va sur ce bonne nuit, Boris. On se revoit tantôt. Bonne nuit. Tantôt, ouais. Ouais, bah, à lundi. Amusez-vous bien. Ah, tu reviens pas avant lundi? Non, moi, je joue pas Logan. Oh non. Ok. Et oui, c'est dommage. Des bisous. Bon, bah, tu es tout client quand tu seras pas là. De quoi? Hein? Tu joues en stream aussi ou pas? Pas à GTA, ça m'arrive de jouer à d'autres trucs, mais GTA non. Justement, j'ai envie de faire en sorte que tout soit ensemble. Parce qu'en fait, je me dis, si un jour je joue hors stream et qu'il se passe forcément des trucs, parce qu'il se passe toujours des trucs, ça va être chiant, je vais devoir tout raconter et tout, tu vois. C'est faux. Voilà. Donc non, GTA, je fais que en stream. Si, une fois, j'ai fait une session de farm garage hors stream, parce que bon, bah, c'est pas vraiment intéressant, quoi. J'ai croisé personne, juste j'ai fermé mes trucs et voilà. Peut-être après, il n'y a pas fou le monde. Oui, voilà. Mais c'est bien, on se voit de plus en plus. Ouais, j'avoue. J'ai toujours des doutes sur qui est qui à chaque fois, mais vraiment, j'arrive pas à vous reconnaître, les Speedy. Hein. Oh, à part Gasteux. Trop discret. Mais surtout, vous avez tous la même gueule, quoi. Vous êtes habillés pareil. Ouais, c'est vrai. Vous avez tous la même barbe. Hey, c'est comme si je te disais, j'arrive pas à différencier Aidan de. Bah, Aidan, je sais pas à quoi il ressemble, j'ai jamais croisé une game. Bah, on s'est échangé de texto, mais c'est tout. Je le confonds. Bah, tu sais, tous les roues là, des fois, Aya, ils sont. Ouais, j'avoue que des fois, même Edouard, Liam et tout, je suis pas trop sûr. Entre Edouard, Dorino. Je suis d'accord que Edouard et Tucker ont la même tête. Ouais, carrément aussi, ouais. Mais j'arrive quand même à les différencier aussi le vestimentaire. Ouais, Liam, il y a un petit indice. Puis même, tu l'entends parler, t'es très vite sûr. Ouais, Liam, des fois, je trouve que ça ressemble. Bah, il est roux, quoi. Et je crois qu'il a la même coupe, hein. Il a souvent son chapeau, mais il a la même coupe, je crois. Oui. Non, mais lui, je le vois sur une vente de drogue. Il y a le véhicule. Ah, putain, j'ai oublié de lui dire ça, qu'il avait un phare. Bref, Kourma noir, véhicule volé, sur la lieu d'une vente de drogue, avec deux de bœufs. Pas masqué, je suis en mode bon. Là, les deux de bœufs, bon, bah, je suis obligé de dire que c'est ok. Mais par contre, pour le véhicule volé, Coco, je vais pas te louper. Hein. Ouais, bah, y en a qui sont plus discrets que d'autres. Hein. Ouais. En vrai, les ventes de drogue, c'est un peu la douille parce que le temps qu'on y a, il nous faut bien aller au plus rapide 20 secondes. Même s'ils doivent rester 5 secondes, je veux dire, on est sûr qu'ils y sont pas quoi, quand on y va. Bah, si, regarde, moi, des fois, j'ai chopé des gens. Ouais, mais puis vraiment, ceux qui veulent vraiment la jouer fair play, au bout d'un certain nombre de ventes, ils attendent, tu vois. Oui, ça, c'est les joueurs. Oui, ou même ils attendent d'avoir le giro ou quoi. Non, parce qu'on les coupe. On peut les vendre. Ah, ok. Parce que justement,
sont pas censés être. Oui, le but, on les coupe, mais ils entendent une voiture arriver à fond, quoi, donc bon. Mais. Ouais, bah à la limite, à partir du moment où tu l'entends une game et que tu te barres, ça va, quoi. Oui, non, bien sûr. Ouais. Non, mais en vrai, il y en avait plein. C'était des flics qui avaient reroll en Yakuza. Et ils se planquaient sur les toits, en général. Et donc, nous, à force de fouiller et qu'on les voit sur les toits, on les chope. Mais, ok. Et on fouille encore plus les toits. Mais des fois, on les voyait pas. Hein. C'est chaud hein, pour les retrouver. Hein. Bah oui, en plus, il y a plein de toits, faut être sur le bon et tout. Enfin, c'est. Ouais. À un moment, puis j'imagine qu'il doit y avoir des. Ah putain, c'est possible ça? Bah, il faut trouver une poubelle avec des rebords assez hauts et qui est pas pleine. Et tu fais U dedans. Ah, ok. Mais en vrai, on est hyper bien caché. Bah ouais, j'imagine. Trop stylé. Non, mais qui se cache dans une putain de poubelle? Comment tu sais ça? Et d'ailleurs, Pierre Samuel, il est pas modo ou quoi? Non. Non. Parce que tu te souviens, Gaston, quand j'avais tué le chat? Ouais. Il m'avait dit qu'il était en filature de toi pour voir ton stage. Oui. Tu l'as vu à un moment? Et genre, t'as joué RP en mode le fait de pas être au courant qu'il était là ou? Alors, je savais qu'il me suivait parce qu'à un moment, il y a eu un call radio bizarre. Ok. Mais je l'avais clairement pas vu. Donc... J'étais pas du tout au courant. Et en plus, je l'ai jamais dit in-game parce que je crois qu'il me l'avait dit HRP et tout. Mais genre, what? Comment il a su? Ah ouais. Non, il est mort de rire. Il est trop fort. Il me dit au téléphone, ouais, non, là, je suis en train de filer Gaston. Il est avec le mec qui l'avocat rage. S'il voulait se prostituer. Et j'étais en mode, quoi? Non, mais il y a méprendre. J'ai jamais ouvertement dit ça. J'ai demandé s'il était célibataire et après j'ai demandé si la prostitution était légale. C'est tout. Rien de plus. Oui, bon, il a dit que si, je lui ai demandé s'il était fidèle aussi. Bon, peut-être ça joue, mais. Oui. Non, mais moi, c'est pareil. Genre, une fois, il y avait un gars qu'on arrête et tout. Il dit Ah, Wallace Fidi, vous avez des femmes et tout. Et je fais, dans ma tête, je sais qu'il n'y a que le commandant qui a une femme. Mais du coup, j'ai dit, ah bah non, vous savez, hein, ouais, les Speedy, on sait le danger que ça représente, donc non, on n'a jamais de femme. Et du coup, je me demande ce qu'il s'est dit dans sa tête, tu vois. Genre, ah, il y a peut-être à quoi jouer, là. Ah, d'accord. Non mais pareil, quoi, les vagos, quand je t'appelle, vont venir les défendre. Non mais c'est très grave. Con, ils se mettent à danser. En fait, je savais plus quoi faire, quoi. Ouais, bah, t'as bien joué le. Bon, bah, on va ailleurs, hein, écoute. Et j'aime trop, quand on était dans la salle d'interrogatoire, et que... genre, oui, non. Après qu'on ait parlé, je suis allé dans la salle d'interrogatoire, et en fait, on entend un peu les prisons. Et j'entendais, genre, oui, je veux aller voir le fruit. Je pouvais plus. Ouais. J'étais en train d'essayer de rester sérieux, tu sais, parce qu'il disait, vous êtes un avocat, vous êtes un fruit, et tout. Ah, c'est n'importe quoi. J'ai même pas entendu ça, moi. Bon, moi aussi, ça m'a blessé. J'étais en mode, je suis pas un fruit, les gars, quand même. Oh. Non, mais j'avoue, je sais pas si c'est toujours comme ça en tant qu'avocat, mais là, à chaque fois, j'ai rien à faire. Genre. Ah non, mais c'est horrible. Mais en même temps, les vagos, ils arrivent, ils avouent tout. Oui. Perrette, ils m'appellent, ils disent, oui, c'était moi. Non, mais c'est pas ça le pire. Ils viennent au PDP, ils prennent rendez-vous, ils nous disent, alors oui, c'était moi, j'avais une arme illégale, tout ça. Et j'étais en mode, quoi? Mais demande pas un avocat après. Mais en vrai, j'ai vu ça avec lui, il va me payer, donc ça va. Ah bah oui, non mais faut te faire payer. Oui. T'as fait pas payer en caillou. Hein. Non mais faut que t'arrêtes avec tes 22 pseudos. Mais le pire, c'est que si elles étaient drôles, ça irait. Mais là, c'est ça qui est drôle, c'est que ça l'est pas. Ah. Mais oui. Bon, moi je vais y aller en tout cas. Ouais, yep. Je vais vraiment y aller. Donc, bonne nuit à tous. Bisous, bisous. Est-ce que tu veux nous tirer là, sur ton stream là, où t'as... C'était quand et tu là... disais ouais, c'est pas drôle tout ça. Ah. Ouais, c'est la tête de la gêne là. Décalage. Ouais, c'est normal. Bon, bisous, bisous. Bisous, bonne nuit. Allez, bisous. Merci, bisous. Et des bisous. Et bonne vie. C'est vrai, bonne vie ça. C'est vrai, très très vrai. Bon. Mais c'était rigolo tout ça.
J'aime bien ces petites sessions de fin de journée où on fait nimp dans l'aéroport. Le petit peuple. Oh non, j'ai encore le clavier en anglais. Faut vraiment que je change ma touche de radio en fait. Ouais, parce que ma touche de radio, du coup, c'est Alt. Et je sais pas, ça fait full merde. C'est trop chiant. Je comprends pas trop pourquoi. Mais c'est trop chiant. Ciao, Plebus. Plebus. Plebeus. Plebeus. Bon, très bien. Moi, j'y vais. Je vous fais des gros poutous. Du coup, on se voit à lundi, mais je sais pas à quelle heure, en fait. Je pense à 14h, en vrai. Lundi, 14h. Un petit stream d'après, mais tout sera un peu tranquille. Après, je verrai. Ouais, non, mais oui, lundi 14h et on verra. Ouais, et je vous tiendrai au courant pour la suite de la semaine à ce moment-là. Donc, des gros bisous. Portez-vous bien, bonne vie, tout ça, évidemment. Et à lundi, passez un bon week-end. Ciao. Soyez prudents.